J'attends que les gens se connectent. Perpétue, je vais te répondre et avec la vérité. Parce que toi, je te vois en direct là, tu mens, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu es dans le mensonge. Mais moi, je vais te répondre uniquement dans la vérité. J'attends que les gens se connectent. Pepe, tu, tous les jours, tu auras droit à un direct. Parce qu'à un moment donné, tu seras fatigué. Mais moi, j'ai tellement à dire sur toi. On va citer les noms. Je ne sais pas pourquoi tu dis que tu ne cites pas les noms. Il faut que tu cites les noms. Parce que moi, je vais citer les noms. Moi, je vais. Tu dis que j'aime les problèmes, que je suis mauvaise. Je vais te montrer que le, le, le sang bassa, le sang bassa qu'il y a dans mes veines. Perpétue, tu dis qu'aujourd'hui que tu as que tu as émergé, tu as à tu as à quel niveau J'attends que les gens se connaissent. Je vais te répondre point par point et dans la vérité. Lolo partage, je suis à cœur ouvert, non Partage, je suis à cœur ouvert. perpétue m'a léba la dernière la refoulée des waka. La prostituée qui a envoyé ses collègues en prison à Chartres. Les, les Pascaline Kamga. Pascaline Kamga pas en prison. Pourquoi à Chartres Ton camion était la couleur rouge. Cite le nom d'une seule fille. Avec qui moi, moi mouquette j'ai vendu le piment. Cite le nom d'une seule fille. Mais toi, je vais citer le nom de toutes tes collègues vendeuses de piment. Je, je vais te répondre point par point. Et dans la vérité, je ne vais pas m'égarer. Je vais te répondre point par point. Perpétue ma léba, 25 ans de prostitution. Seul héritage, H les Marouan. Hier, je n'ai rien dit. Hein. Maintenant, je vais entrer en profondeur dans ta vie. Je vais te répondre maintenant sur ce que tu es. Tu, tu dis que j'ai pris la main de pa Pablo. c'est le père de mon enfant. Tu es le seul homme qui a compté 100 000 euros en biais de 5 500. Il m'a donné pour son fils. Même dans la maladie, le monsieur là me donnait 1 000 euros par mois jusqu'à ce qu'il décède. Tu peux mal parler de lui? 1000 euros. Juste, je dis que Pablo m'a donné 1000 euros même dans la maladie. Toi, tu peux me parler. Tu peux... Une racaille. Une dernière des prostituées comme toi, Perpétue, Une dernière des waka. J'arrive en France. Je ne me cache pas. J'ai clavé une semaine dans la cuisine de Claire. À l'omier une semaine. J'arrive en France et je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de tourner en rond. Parce que je suis une bosseuse. Effectivement, la seule chose que tu as dit, qui est la vérité. Je me suis, c'est Solange Makoukam. Elle est, elle est sur Facebook. On était voisines dans le 20e. C'est elle qui m'amène. Elle me dit que je vois que tu as envie de travailler. Elle m'amène dans ce restaurant-là. Chez Claire. Chez Claire, à Lomier, J'ai travaillé une semaine là-bas. Mais toi, tu travailles quoi? Tu te moques d'une fille qui arrive en France et qui a envie de travailler? Moi, j'ai travaillé dans la cuisine de Claire une semaine. C'est vrai. Mais j'ai travaillé, elle me payait. Toi, tu te moques d'une fille qui arrive en France et qui a envie de travailler, qui part travailler dans un restaurant. Mais pépé, tu ta vie est la mienne. Parlons donc d'aujourd'hui. Tu dis que ce, je ne suis jamais arrivée en France devant tes yeux, je ne te connaissais même pas. C'est quelques temps après que je découvre que tu sautes comme une tisse et que tu es le matelas des fémans. Pépetu, tu peux parler là où une femme parle. J'ai travaillé une semaine chez Claire solange là. Je parle de quelque chose, il y a les témoins. Et c'est Solange Makoukam qui m'amène chez Claire Pitsou. J'ai fait une semaine dans son restaurant, une semaine pas plus. Et je rencontre Pablo là-bas. Et c'est Binetou. C'est Binetou qui me dit que ma fille, tu viens d'arriver en France. Accroche-toi derrière le monsieur là, il va changer ta vie. Je parle Binetou et vie. Elle est là. Binetou me dit accroche-toi derrière le monsieur là. C'est avec Binetou la première carte bancaire que moi, Moukete, je touche en France. C'est la carte bancaire du papa de mon fils. Il m'amène au distributeur avec Binetou. Toi, tu parles, tu es dans le mensonge, mais moi, je vais te répondre dans la vérité. Regarde-moi une voleuse de chemise. Tu as volé la chemise de. de comment on appelait même encore le gars là, ici, là, pour aller donner à Guinama en belgique Pepe, -tu, tu es une femme. Tu es une femme, Perpétue. On venait d'arriver à Paris. Et pour, te, pour, pour ta gouverne, je n'ai jamais lutté avec Simone Ducamp. Elle est là, elle vit. Je te réponds parce que tu as prononcé son nom. Je n'ai jamais, je dis bien au grand jamais, je n'ai jamais lutté avec cette fille. Je parlais -les sur Facebook. Pourquoi tu, fais, pourquoi tu fais le direct Tu mens. Une prostituée, ton camion rouge de liaison, tu n'as pas vendu ta place à une fille bêtise. Cite le nom d'une seule fille avec qui j'ai vendu le piment. Tu es parti faire quoi à chaque Dans la vente du piment à chaque Parce Pascaline Kamala est pas là en prison. Tu t'assieds dans un direct, tu dis que ma mère. Ce n'est pas toi qui as envoyé cette piment dans la vente du piment à chaque. Perpétue, tu peux insister une fille vendeur de piment Tu dis que mon magasin, c'est 5 000 euros Tu connais ce qu'on appelle Montparnasse Madame, j'ai acheté mon magasin à 135 000 euros. Je te poste les papiers après le direct. Je te poste les papiers. petit je te dépasse. Aujourd'hui, là, je peux t'embaucher chez moi, tu laves mon sol. Je t'embauche chez moi, Perpétue, bas. Tu laves le sol dans mon magasin et je te donne le simic. Parce que tu as raté ta vie en beng Et tu es devenu aigri. Aigri. Tu me dis que j'ai Beaux-Arts. Il y a beaucoup de gens. Solange Makouka m'a vu arriver en France. Solange Makouka, je sortais de l'Allemagne. Elle était ma voisine dans le 20e. Je venais de l'Allemagne. Toi, tu es venu en France avec le prêt à partir. 800 000 que c'est ici qui a payé. Ta copine a est où Pépé -tu Et regarde moi une voleuse comme ça depuis Madagascar. Tu peux compter. Tu as commencé à dormir avec elle. Tu marchais avec le cabangonde sans caleçon à Madagascar. Les braqueurs, la femme des braqueurs. On te baisait partout. Il y avait un coin à Madagascar qu'on appelait le trou. Tu te souviens du trou Il y avait un quartier à Madagascar qu'on appelait le trou. Là où on partait, fini avec toi. Tu n'accouches pas, pourquoi, Pépé tu? tu dis que j'ai avorté. Même si j'avais à voter, moi, moi j'ai accouché pour toi et où J'ai accouché. t'as pas et où Ventre muet. Toi, tu as accouché, t'as pas d'enfant et où tu te rappelles du clou C'est là-bas que tu as fini. On a fini ton utérus au clou à Madagascar. Tellement on t'a baisé à Madagascar, Pépétu. Et si tu viens, tu connais l'ambassade de France au Cameroun. Pépétu, tu es déjà entrée à l'ambassade de France Je suis entrée à l'ambassade de l'Allemagne. J'ai pris mon visa. Il y a les témoins. On, nous sommes venus en Allemagne en délégation. Les gens là sont là. En délégation, je j'entrais en France, avec un, en Allemagne, avec un visa. Toi, tu es venu en France avec le prêt à partir. C'est ici e qui a payé à 800 000. Tu connais, tu, tu es lié en clair à à l'ambassade de France et Hein Tu te rappelles comment on t'a tapé ici, là. Pépétu, une femme ne m'a jamais tapé. Tu te rappelles comment mes soeurs barantés t'ont tapé ici à en à la fête des barantés. On t'a tapé, tu saignais. Tu es une femme. Les mimi dans le temps, pas tapé avec les Paulines, ici, là, devant, je, je, de, de, devant chez Agnès, mon Cameroun. Tu parles, j'ai fait l'enfant avec le père de mon enfant, je vais te raconter dans ma vie parce que tu fais le direct, tu mens. Parce que tu ne me connais même pas. On se remarquait dans le 17 e comme tu dis là. Mais devant moi, on t'a embarqué. Devant moi, on t'a embarqué avec les bouteilles. On te donnait 200 francs à l'époque, ce qui correspond à 30 euros aujourd'hui. Pepe, tu les gars. les De la peigne, a Pas de la a pas de. Comment on appelle même encore le gars là Tu as volé sa chemise pour aller donner à Guinama en Belgique. Achille étape pourquoi tu, fais, tu, fais, tu prends la. Perpétue, je te mets au défi. Au défi. Donne le nom d'une seule réunion à Paris que moi je fais où je dois l'argent. Je fais une seule réunion à Paris. Je dis bien une seule, les amis intimes. Je dis bien une seule réunion à Paris, les amis intimes. Je cotise 1000 euros par semaine. Tu connais le président Périgord, tu peux poser la question. Et il y a beaucoup d'adhérents là sur Facebook. Je dis 1000 euros par semaine. C'est mon magasin qui cotise. Toi, tu, Je peux parler avec toi, Perpétue. Je te réponds parce que je n'ai rien à faire. Et je t'ai dit que je vais te faire un direct every day. Je cotise 1000 euros par semaine. C'est mon magasin. Cite le nom d'une seule tontine. Je fais une seule réunion à Paris. Les Amis Intimes de Paris. Une seule, pas deux. Et on ne vend pas l'argent dans ces réunions. On ne vend pas l'argent dans ces réunions. Et dans ces réunions-là, je suis solvable. Je bouffe quand je veux. Je dis bien dans cette... Je fais une seule réunion à Paris, les Amis Intimes. Une seule. Et je cotise 1000 euros par semaine. 1000 euros par semaine et dans la fin du mois, il cotise de 2250. Il cotise 6250 euros de tontine par mois. Il dit bien 6250 euros par mois. Il y a, il y a les filles dans ces réunions-là que tu connais. Tu peux poser la question. Pepe, tu peux discuter quoi avec toi Tu me peux Tu es une affamée Tu dis que j'ai avorté. Donc, mieux, mieux de moi, même mon ventre qu'on soit. Tu as, toi, tu as avorté quand Tu as eu même un retard quand hein? Tu parlais même de quel gars Je ne connais même pas. Je ne, je ne nie pas. Quand je sors avec Valérie, je, je, je me suis séparée du papa de mon fils. Je le quitte quand mon fils a un an. Et les gens qui nous connaissent, ils m'ont traîné au tribunal parce qu'ils voulaient récupérer son fils. Et après, quand tu quittes un homme, tu es libre de refaire ta vie. Et je suis sortie avec Valérie trois mois. Je dis trois mois. Quand tu ne connais pas, on te pose la question. Trois mois, pas plus. Et je n'ai jamais lutté. Simone Djouka met sur Facebook. Sa fille met sur Facebook. Je prononce son nom parce que tu as prononcé son nom. Je n'ai jamais, je dis bien au oh grand jamais. Lutter avec cette fille. On ne s'est jamais échanger. tu toi, tu peux parler d'une fille. Tu es la dernière. Quand je dis dernière, tu as raté ton bain. Même une fille qui est arrivée en France et qui fait le ménage et te dépasse. Je suis une femme de ménage. Une fille qui est arrivée en France et qui est entrée dans le ménage et te dépasse. Tu es nulle et non l'avenue. tu toi, tu vas me parler que tu, tu vas me parler que tu vas dire quoi Tu sais le nom du... Tu as vendu le piment ici à Lieu Camion rouge. Qu'est-ce qui t'a chassé à Lieu Aujourd'hui, tu parles, hier tu as parlé indirect, tu parles de Flore. Tu crois que si moi j'ai dit à Flore, je vais passer par toi Si moi j'ai dit à Flore, je vais passer par toi Si j'ai dit à Flore, moi je le lui dis Je n'ai pas besoin de passer par toi Jamais Et même Flore le sait. Quand elle fait bien, je, je commente bien. Quand elle fait mal, je commente mal. Je n'ai pas besoin. Tu vas chercher les alliés Père tu, tu sais que vous ne pouvez pas me dépasser. Père tu, tu sais que même toi-même, même toi -même, tu sais dans ta tête. Que vous ne pouvez pas me dépasser. Maintenant, tu veux chercher les alliés. Viens seul. Tu dis que tu as émergé parce que tu sors avec un petit gars qui te tape jusqu'à te repasser. J'ai mis tes photos sur mon Facebook. Montre-moi une seule photo de moi où j'ai la blessure. N'dotinga. Je dis que a une femme de ménage en France te dépasse. Tu sais lire, Pépé, tu? Tu as pris le courrier de Blanchard. Tu es venu avec ça dans le 17e Donnez que, pardon, lisez-moi ça. Le courrier a dit quoi? C'était le courrier de la maladie. C'est comme ça qu'on a su dans le 17e que le gars de tuer était malade. Toi, tu peux pas. Pépé, tu toi et moi, allons faire le test de sida. Toi et moi, allons faire le test de sida. Malade. Thierry est condamné à rester avec toi parce que tu l'as contaminé. C'est pour ça qu'il te tape, il peut te tuer. Un homme tape une femme comme ça. Thierry te tape aujourd'hui, il peut te tuer parce que tu l'as contaminé. Tu viens parler de moi dans le mensonge. Kamga Pascaline est parti en prison à chaque, Pourquoi Ce n'est pas toi qui l'envoie en prison. Tu dis que hey, hey, tu travaillais, prenais ton argent. Cite le nom d'une seule fille avec qui moi. Cite un seul nom. J'ai dit, cite un seul nom. Moi, j'ai fait le faux. Je ne refuse pas. J'étais une fausse avant. Et même maintenant, parce que mon cerveau tourne en cas de tout, je connais chercher l'argent perpétu. Je connais chercher. Tu me dis que montre un homme, que de montrer ta qualité d'homme, la maman, elle préfère ne pas avoir d'homme. Un homme qui te tape, qui te repasse. Tu as vu, tu, tu as vu ton visage? Je n'ai pas besoin de make-up. Je n'ai pas besoin. Tu as vu ton visage? Tu as vu à quoi tu ressembles, Bombo Kossi? Hein? Bombo, il est clé. Tu as vu à quoi tu ressembles? Dernier des filles. Thierry a failli me tuer. Pour le maquereau brisé. Le maquero brisé. On te tape, on te tue dans la maison parce que tu dois dormir. Maquero brisé. Hein? Tu as volé la chemise de, de, de comment on appelle comment le nom du gars là m'échappe? Tu dis que ici, SI. Et si tu, pépé, tu, tu es venu en France avec le... Tu es venu en France avec un visa. Maman, j'ai un magasin. J'ai un magasin. Je cotise 1000 euros par semaine aux amis. intimes. C'est la seule réunion que je fais. Je dis bien la seule. perpétue je te mets au défi. Si tu connais notre réunion que je fais, parle dans ton direct. Si tu connais une autre réunion que moi, Moukete, je fais dans ce Paris-ci-là, ou bien si tu connais une réunion que moi, j'ai fait où j'ai prêté de l'argent, dis-moi. Dis-moi une seule réunion, parce que moi, je te dis la vérité. Maman, quand je fais une réunion, je suis une bonne adhérente parce que je cotise. Je, suis, je dis que je cotise chez Périgord aux amis intimes de Paris 1000 euros par semaine et 2250 euros par mois. J'ai 6250 euros de tontine par mois. Toi, tu peux me parler? Va à Paris voir mon magasin. Tu dis que tu as 5 000 euros, tu as un magasin. Achète un... Je vais te mettre les papiers, achat devant avocat, de mon magasin. 135 000 euros sans crédit. Et la femme qui t'a envoyé le sait. Elle sait que j'ai acheté mon magasin sans crédit. 135 000 euros. Je dis bien, 135 000 euros, j'ai acheté mon magasin sans crédit. Sans crédit. Regardez-moi une pauvre logue. Une sale chose. Pepe, tu, tu parles. Quelle femme ne, ne t'a pas embarqué? Tu dis que ton père. Je n'ai jamais publié la nudité d'un homme. Oui, j'ai publié la nudité de Simone. Ce que je, ce que je fais, j'assume. J'avais publié la nudité de Simone. Je ne nie pas. Mais l'homme que tu dis là, c'est lequel? Hein? Elle m'a attaqué. Tu m'attaques, ta nudité arrive entre mes mains. Je partage. Point bas. Je ne discute même pas. Une fille m'attaque, ta nudité arrive entre mes mains. Je mets ça dehors. Je ne tourne pas par quatre chemins. Je reconnais que je l'ai publié, oui. Et si c'était à refaire, aujourd'hui, une fille m'a tactillé, tu as arrivé entre mes mains et partage. C'est tout Regardez-moi une illégale. Tu peux dire quoi sur moi J'ai vendu le piment à Chacle avec toi. Hein tu n'as pas dénoncé Pascaline Kamga, qu'elle faisait le procès. sur toi, à Chacle je cite les noms des gars que l'interroge, je m'en fous. Celle qui est fâchée, vient m'arrêter. Je cite vos noms. Je cite vos noms. Ce n'est pas toi qui as envoyé Pascaline Kamga en prison à chaque. Tu faisais quoi à que Tu vendais la tomate? Ton camion rouge. Quand Flore, ta nouvelle copine, elle est venue à Lyon. Tu as fui pourquoi? Tu ne travailles plus pourquoi? Tu as vendu ta place, camion rouge. Cite le nom d'une seule fille avec qui je suis partie vendre le piment. Cite un seul nom. Je dis que cite un seul nom, mais toi, je peux citer les noms comme ça. Je cite les noms comme ça. Cite un seul nom. Avec qui, moi, Moukete, je suis allé vendre le piment. Parce qu'à Paris, quand on vous dépasse, tu vends le piment. Maman, je reconnais, je, je faisais le faux avant. Je ne me cache pas. Et j'ai eu les problèmes avec la justice, après, je me suis rangée. Tu crois que je peux avoir honte de mon passé C'est ma vie Mais tu ne peux même pas. Tu je dirais que tu ne m'aimes rien comme ça. Je dis que, tu, tu ne vaux rien. Je t'ai dit qu'à Paris, toutes les filles peuvent parler parce que même une femme de ménage qui vient d'arriver, même une fille qui vient d'arriver à Paris qui fait les ménages te dépasse. Je dis qui fait les ménages. Toi, tu viens te moquer d'une fille qui dit que tu la personne qui m'a vu arriver en France, c'est Solange Makoukam. Je crois, on a un mois ou deux mois d'écart. La personne qui me voit arriver en France, c'est Solange Makoukam. Et, et c'est elle qui m'amène travailler chez Claire Pitsou. C'est elle. Et je n'ai même pas fait une semaine là-bas. Je rencontre le papa de mon fils. Il me dit, quitte ici, tu ne peux pas travailler là. Tu comprends et quand on a nos problèmes, je le laisse, je rencontre quelqu'un d'autre. Tu, tu me demandes que pourquoi il ne m'a pas épousé. Perpétue, je n'ai pas une sale vie comme toi. J'ai une, une vie qui est très bien rangée. Perpétue, j'ai élevé trois enfants en France. Mon fils et mon fils, mon, 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 mon fils et mes fils et, 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 et les autres enfants. Trois. J'ai élevé trois enfants en France. Je dis bien trois. J'ai élevé trois enfants en France. Toi, tu as élevé combien d'enfants en France, Perpétue. Hein? Tu as levé comme un enfant en France. La fille de ton mari, là, la fille de, du monsieur que tu as épousé à Bordeaux pour avoir les papiers. là, Tu vis encore avec elle. Elle t'a fui à cause de ta sale vie La petite fille, là, tu utilisais les gens. Depuis que l'autre, je n'ai pas cité si le nom de la fille de tuer, elle ne m'a rien fait. Celle que tu disais que la marraine de ma fille, la marraine de ma fille, depuis qu'elle t'a lâché, la, la famine peut te tuer. La famine peut te tuer, Perpétue. Tu as déjà entendu que moi, Moukete, j'ai fait la manche en France? Hein? Classe-moi, dis la vérité. Mais toi, j'ai beaucoup de vérité à dire sur toi. Pepe, tu, tu vendais quoi à chaque? Tu m'avais vu à chaque, avec vous? Dans ton direct, tu dis que tu as revu ta mère, Pascaline Kamga. Ce n'est pas toi qui l'envoie en prison en disant que tu vends le piment, c'est elle qui prend ton agent? Hein? Moi, je peux citer les noms. Toi, cite les noms. Cite le nom d'une seule fille avec qui moi, j'ai vendu le piment à Paris. Cite un seul nom. Juste un nom. Pépé, tu cites un nom. Que c'est la vérité, je quitte Facebook. Je dis, cite un seul nom. Tu cites un nom. Moi, je quitte Facebook. Mais toi, je peux citer les noms comme ça. C'est Flo qui te chasse à lieu Camion rouge. Tu faisais quoi Et on dit même que tu vendais même le piment. Pépé, tu la fille que tu dis qui vend les chaussures là. J'ai tous mes sacs à main. Magasin. Je n'ai jamais. Je ne sais même pas qui vend les sacs des aimants à, à Château Rouge. Tous mes sacs à main. Magasin avaient facture. Tu, tu doutes, je te les filme. Tu m'as bien regardé. Tu dis que tu, on était les filles, on était ceci. Pepe, tu... Bon, tu étais... Tu es quoi aujourd'hui Avant la 8 oui, alors, dans les années 2000 là, tu étais... Ton bilan alors, c'est quoi Parle-nous de, parle de, de toi aujourd'hui. Parce que dans tout ce que tu as dit, la seule chose qui est vraie, c'est que j'ai fait l'enfant avec Pablo, hein, et que je suis sorti avec Valérie. Je, ça, je ne discute pas, hein, ça, c'est vrai. Et que j'ai un casier judiciaire. Enfin, Moi-même, je l'ai toujours dit sur mon Facebook. Parce que c'est ma vie. J'avais un gros cœur comme ça. Et ma chérie, dans mon faux, je travaillais avec les juifs. Dans mon faux, dans tout ce que j'ai fait de mauvais en France. Mais je me suis rangée, je suis allée faire ma formation. Toi, tu as fait quoi Je me suis rangée même avant d'ouvrir mon magasin. Je suis allée à l'école. Toi, tu as fait quoi tu peux, aller, tu peux même faire même seulement aide-soignante. C'est dis-moi, Tu peux faire ça. Hein. Tu vas, passer, tu, vas, tu vas passer comment? Tu sais écrire? Tu sais lire? Hein? J'ai fini de faire mes bêtises. J'ai arrêté, je suis allé à l'école. Toi, alors, tu fais quoi dans la vie, Perpétue? aborder tu fais quoi? Tu viens t'asseoir, tu mens. Je cite le nom de Pascaline Kamga parce que tu as cité le nom de ce. Je cite son nom parce que ce qu'elle dit est vrai. À la fête de Bangatés ici en Nanterre, on t'a tapé jusqu'à tu saignais. On t'a tapé ici en Nanterre. Aujourd'hui, tu dis que comme c'est moi. Tu dis que ah, j'ai grandi, j'ai un homme dans la maison. Je ne... Parce que tu sais que Pépé, tu, tu te mets devant moi et vais te manger. C'est quand ça t'arrange que tu donnes les rendez-vous aux gens. C'est quand ça t'arrange. Hein? C'est quand ça t'arrange. Ce n'est pas Achille qui t'a accompagné lutter dans le 17e, il était derrière. Il n'était pas un homme. Hein? Il n'était pas un homme. Hein? Ou bien sûr, tu respectes seulement le petit gars là? Mouquet, et moi, je ne suis jamais sorti avec mon petit frère. Mbeng. Je dis bien jamais. Tu parles, tu mens, tu parles, tu mens. Je t'ai dit que si tu l'es fait, man. Si. Parce que toi, on t'embarquait devant nous dans le 17e avec 200 francs, 30 euros. Tu vas dire quoi J'ai vendu le piment avec toi. Le problème, c'est que deux fois même vendu le piment, elles ont émergé. Elles ont même fait. Ce n'est même pas une honte. Mais le problème, c'est que ta vie, c'est quoi après toute ta vente de piment? Ta vie, c'est quoi Après toute ta vente de piments. Tout le piment que tu as vendu. Ton héritage, c'est quoi Là, je l'ai Dans une maison où on te tape, on repasse tes mains. Tu as vu mon visage. Tu m'as vu avec, avec, les, avec les bleus un jour. Tu es une femme perpétue. Les gens qui... Je t'ai dit qu'elle sur Facebook. De la même manière qu'on te connaît. C'est comme ça qu'on me connaît. Tu dis qu'on me connaît, que je n'ai pas... Je fais quoi avec les amis Tu m'as dit une fille à Paris m'a dit qu'elle vient chez elle ou bien elle vient chez moi. C'est n'est pas ma tasse de thé on se voit dehors, ça s'arrête là-bas. Tu dis que j'aime les problèmes. Qui ne sait pas que j'aime les problèmes Mais je ne cherche pas les problèmes. Mais ça vient me prouver, comme toi, tu m'as indexé là et pas avec deux mains. Et je te le dis, la femme qui est venue te dit que moi je lui dois l'argent là. Même un euro. Michel dit ne va. Je dis qu'on va finir au tribunal. Oh, elle est. Moi, si moi je lui dois quelque chose, parce que moi tu viens ancrer dans une histoire que tu ne connais pas. Cette dame pas derrière moi vendait son argent autour de moi. J'ai protégé son capital. J'ai pris ses intérêts, je lui ai donné. Elle t'a dit que dans les intérêts que je lui donnais, m'avait la a donné zéro. Elle ne te dit pas que c'est les gens qui... Elle est venue me voir. Que si j'ai les copines qui veulent acheter son argent. C'est comme ça que je lui trouve les clients. Les filles lui payent deux mois d'intérêt. Deux mois. Après, elles ne peuvent plus payer. Je dis que non, maman récupère ton capital. Quand ça commence comme ça, ça va finir avec les problèmes. Je protège son capital, je prends, je lui donne. Elle vient te voir de me clasher. Elle croyait que moi j'ai peur des classes. Quand une histoire vient se recuver sur Facebook, il n'y a plus de remboursement. On va finir seulement quand ça va finir. Et elle sait au fond de son cœur que moi je ne lui dois rien. Et perpétue pour ta gouverne. Je vais te mettre les papiers après le direct. 135 000 euros, zéro crédit, effort personnel. J'ai cassé tous mes comptes d'assurance. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une assurance. Tu viens en France, je suis sûr que tu ne sais même pas ce que c'est qu'une assurance. Tu cotises une assurance à ta banque? J'ai cassé depuis que je suis en France toutes les assurances que j'avais. Ça m'a donné 140 000 euros. J'ai acheté mon magasin, 135 000. Et ce magasin me cotisait 6 250 euros par mois. Le président Périgord est sur Facebook. Si je mens, il y a beaucoup d'adhérents là qui sont sur Facebook. Je cotise 1 000 euros par semaine. Toi et moi, on est pareil. À quel niveau Je donne chez moi mon magasin cotise. J'ai réussi mon bain. Perpétue, à côté de toi, j'ai réussi ma France. Je dis que je dors chez moi. Mon magasin est ouvert et ça cotise. Tu dis que, tu dis que payer les gigolos Quel gigolo Moi d'abord, si un gigolo peut me draguer, chez moi il n'y a même pas la nourriture parce que je ne fais pas à manger. Un gigolo va me draguer qui va manger quoi Un gigolo peut me draguer. La famine va le tuer parce qu'il n'y a pas la nourriture dans ma maison. Moi-même je mange au restaurant de lundi à lundi. Un gigolo va me draguer qui va manger quoi Quand tu veux même clasher quelqu'un, dis la vérité. Mon magasin en plein Paris, mon Je perpétue, ça cotise 1000 euros par semaine. Oui. Et je suis assise chez moi tranquille. Quand je sors, c'est uniquement pour faire mes courses à mes clous et ravitailler mon magasin. Tu vas, tu vas parler de quoi Je peux citer les filles comme ça avec qui tu as vendu le piment. Je parle même seulement de châtres. Ce n'est pas toi qui as envoyé Pascaline Kamga en prison. Aujourd'hui, tu t'assieds as dans un direct. Tu que ma mère, tu envoies ta mère en prison. Tu ne l'as pas amené en justice que tu vends le piment, c'est elle qui prend l'argent. Tu as déjà entendu à Paris que moi, on m'a entendu à l'histoire de vente et de piment. Mais toi, tes histoires de vente et de piment sont beaucoup comme ça. Tu as fui l'ESM pourquoi? Camion rouge. Tu veux que je cite le nom de la fille Bassa à qui tu as vendu ta place? La fille de cuir ne m'a rien fait. Tu veux qu'elle cite son nom? Le nom de la fille à qui tu as vendu ta place à l'ESM. Tu veux qu'elle cite son nom? Tu as vendu la place. Aujourd'hui, tu es dans la maison, tu tournes en rond. Tu tournes comme le mauvais esprit. Mais Perpétue, toi et moi. Non seulement tu ne peux pas. Maintenant, quand il dit que donne-moi rendez-vous, tu dis que ah, tu, as tu as émergé, tu es devenu quoi, Ma? Tu fais quoi dans la vie? Perpétue, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis chef d'entreprise. Hein? Je peux le prouver. Tu fais quoi dans la vie? Hein? Je te le conseille de même, oui. Tu as dit que les vendeuses de piments, Oui. Aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie, ma? Mais toi, je peux citer tes, tes collègues du piment comme ça. Tu as fui lieu 5 pourquoi On dit que tu étais même là-bas, la poisse même seulement pouvait te tuer. Les, 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 les 15 euros la pipe, 20 euros l'amour. Mais tu passais la journée là-bas, tu ne travaillais rien. C'est pour ça que tu avais toujours faim. Parce que sinon, tu n'as pas de prostitution, alors ça va faire quoi Parce qu'on dit qu'à lieu 5 là-bas, c'était 15 euros la pipe. Eh? Tu t'asseyais dans le camion toute la journée, tu n'avais qui coque. Qui coque Qui coque Même pas cinq. Alors que tu sors de chez toi le matin, tu vas pas vendre le piment. On dit que toutes les filles là-bas travaillent, sauf toi. À lieu sain, camion rouge. Donne-le la couleur de ma part de camion. Donne la couleur de ma part de camion, Perpetu Ngosa. La poisseuse de la Ballon Woman. La dernière des waka. On te tape pour le maquero. Tu peux parler de moi. Hein? Guinama, hein? tu as volé la chemise. La chemise. De ton, de ton show ici à Paris pour aller lui donner. Tu dis que les femmes te payé la chambre parce que tu étais quoi Miss France Matelas certifié des femmes du 17 e La sanga. Pepe, tu, tu peux insulter une fille à Paris. Même une fille qui vient... Je dis qu'une femme qui vient d'arriver en France, Joscam te dépasse. Qui a choisi la voie du ménage et te dépasse. Je dis une fille qui vient d'arriver, qui fait le ménage, te dépasse. Parce que ta vie n'est rien. Tu me dis que montre, je ne montre aucun homme. Je ne montre pas. Je ne suis pas là pour afficher les gens. Le jour où je vais décider de me marier, tu vas voir l'homme qui m'a épousé. Mais pour l'instant, je ne fais la publicité d'aucun homme. Je suis célibataire. Aujourd'hui, demain, après demain, je suis célibataire et je m'assume. J'ai mon bail à mon nom. Tu peux payer un loyer à Paris, Pépé, tu. J'ai mon bail à mon nom. Femme capable. Toi, tu vas parler de quoi? Montrer une seule réunion. Manque une seule réunion à Paris. Tu as dit dans ton direct que je pas, je fais toutes les réunions à Paris, je prête l'argent. Si une seule réunion avec preuve, tu donnes l'adhérente. La seule réunion que je fais à Paris, c'est les amis intimes. Je dis bien la seule réunion que moi je fais à Paris depuis au moins quatre ans. La seule réunion que je fais, c'est les amis intimes. Et je cotise 1000 euros tous les dimanches, étant assise chez moi. 1000 euros, je cotise tous les dimanches. Je parle là, y a les adhérentes d'amis intimes. 1000 euros. Jusqu'à demain, je te dépasse. Je dis bien que jusqu'à demain, que Dieu me pardonne, on ne dépasse pas un être humain. Mais toi, tu es ma serpillère, Perpétue. Toi, tu es ma serpillère. Je dis bien ma serpillère. J'ai fait un choix de vie qui me convient. Tu dis que j'ai avorté mieux de moi. J'ai même conçu, j'ai avorté. Toi, tu vas concevoir quand? Ventre muet. Toi, tu vas concevoir quand? Pisseuse de sang. Voleuse de mari. Ta copine Asuka est où la fille qui, a les, qui, qui, est, qui est devenue grosse comme ça, elle est devenue comme les bororo. Un, 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 un. Regardez-moi une fille comme ça. Tu étais bororo à Madagascar. Tu te souviens du quartier Le Prou On appelait là-bas, en bas, là, le Clou. Tu sortais qu'avec les braqueurs. On a commencé à coucher avec toi, tu avais 12 ans. C'est pour ça que tu n'es pas là à l'école, Perpétue. Ce que je dis, c'est la vérité. Parce que tu, étais, tu, tu es la voisine de ma famille à Madagascar. Et aujourd'hui, encore, ils m'ont dit que maman, la seule fille-là, elle prend le courage pour t'attaquer. Oh coup, on dit comme tu marchais avec le cabas. Dans le cabas-là, il n'y avait pas le caleçon. Donc, c'était le vite fait. Toi, tu peux insulter une fille en France, c'est perpétue. Quand ça vous dépasse, vous dites que vendez des de piments. Maman, ma vie est pareille avec ta vie, perpétue. Comme Pascaline qui l'a envoyée en prison à Châcle, ce n'est pas toi. Hein ce n'est pas toi qui envoie Pascaline Kamga en prison à Châcle. Tu vendais quoi là-bas, la tomate? Tu vendais quoi à Lieu Saint Tu vendais quoi à Lieu Saint Lieu Saint, là, tu vendais quoi là-bas Hein camion rouge, 15 euros la pipe, 20 euros l'amour. Et on dit que tu faisais toute la journée, coque Tes collègues là-bas disent que tu passais toute la journée, même pas un client. Une sale chose. Ventre muet. Je dis encore ventre muet. Ventre muet. Oui. Vancre muet. J'ai dit, tu n'es rien. Regarde-moi une dotinga. Une dotinga. Toi, tu peux parler là où les filles parlent, perpétu Tu as raté ton bain. Maman, quand on parle, je dis que tu as raté ta France. Tu as raté ta France. Raté que de chez raté. Tu as raté ta France, Perpétue. Tu te moques d'une fille qui arrive en France nouvellement qui pas travailler dans un restaurant. Toi tu ne voulais pas travailler c'est pour ça que tu étais le matelas des Feman. Hein? C'est pour ça que tu étais le matelas des Feman. Mais moi j'ai accepté de travailler au restaurant. Je venais d'arriver en France au moins je travaillais, on me payait et j'ai fait une semaine dans ce restaurant. Toi tu viens t'asseoir tu mens. Cite le nom d'une seule fille avec qui j'ai vendu le piment. Mais toi tes collègues sont nombreuses comme ça. Toi qui aimais donner le rendez-vous de bastonnade aux gens. Maintenant, je te dis que dans mon rendez-vous, tu dis que non, j'ai un homme à la maison. Quel homme Un homme qui t'utilise comme le tam-tam. Voilà ton bras que j'ai mis sur Facebook. On plus ça comme ça. On t'épluche comme la banane. Tu supportes à cause du maquereau braisé. J'ai même vu apparemment que tu dis que tu fais des aclétères. Dans ta vie en bain, 25 ans, tu as fini maintenant que tu braises le poisson. Hein? regardez moi une sale La chemise que tu as volée à ton gars ici à Paris pour aller donner à Guinama en Belgique. Hein? Agile te donne l'argent, tu peux envoyer un à un, un, un policier. Tu dis que je paye les gigolots. Je paye les Oui, j'accepte, tu payes les gigolas en France et toi, tu payes ta part au Cameroun. Un policier. Toi, tu es en France et tu payes un policier au Cameroun. Bande de sales filles. Tu, tu as dit quoi? Tu vas dire quoi? J'ai vendu le piment avec toi, Pépétu. Qu'est-ce qui te chasse à lieu Flo est venu te filmer. Pépétu, je te mets au défi. Tu as dit que tu vas venir me filmer. Maman, s'il te plaît, je te mets au défi. Cherche-moi là où je vends le piment, tu me filmes. Cherche-moi là, là où je vends le piment, tu me filmes. Je te donne l'autorisation. Cherche-moi, tu me filmes, tu mets sur Facebook. Cherche-moi, tu filmes, tu mets sur Facebook. Tout le monde a entendu ta voix ici, là, comment tu disais que maintenant que tu as la maison à, à, à Rouen, les filles peuvent venir vendre le piment là-bas. La marraine de ton enfant te fuit. Pourquoi Parce que tu as cité son nom dans ce voice. Tu as cité le nom de la fille. Tu as dit qu'elle-même comptait venir là-bas. C'est pour ça qu'elle n'est plus la marraine de ton enfant. Tu vas dire quoi Toi, tu vas m'insulter que ton casier judiciaire. Mon casier judiciaire en France n'est pas vieille. Je reconnais que j'ai fait mes conneries. Tu dis que moi, j'ai fait les réunions. J'ai fait une seule réunion à Paris, les amis intimes. Et je suis crédible, Perpétue. Ngoza, tu peux insulter quelqu'un j'ai vendu le piment avec toi, la dernière, la racaille, la fille qui a perdu sa vie en France. Tu dis que j'ai fait toutes les réunions à Paris, j'ai prête de l'argent. J'ai fais une seule réunion à Paris, les Amis Intimes de Paris. Je cotise 1000 euros par semaine, 2250 euros tous les mois. Ça me fait 6250 euros de réunion par mois. Je suis assise chez moi, mon magasin cotise. Perpétue tu, tu as réussi ton bain avec quoi? Tu as raté ta vie? Tu as raté ta vie, Perpétue tu ben? Tu es obligé de squatter derrière les hommes qui te tapent. Que tu dormes. Hein? Tu dis que j'ai voté. Maman, j'ai avorté. Mama, avorté. Au moins, si c'est vrai que j'ai voté, j'ai conçu au moins, j'ai voté. Toi, tu as conçu un jour. Toi, tu as eu le retard même d'un jour, Pépé. -tu. tu as eu le retard dans ta vie, un seul jour. Tu as eu le retard. J'accepte que oui, j'ai voté. Toi, tu as eu le retard. Hein? Mon fils est là. Jusque-là, tu as même dit que j'ai fait un deuxième enfant. Moi, j'ai fait deux enfants en France. Tu vois que tu ne me connais même pas. J'ai accouché un seul enfant, un enfant dans le Paris, si tout le monde le sait. Tu manques mens même, tu dis que mon deuxième enfant, lequel deuxième enfant Moi, je fais un deuxième enfant dans cette, dans cette France-ci. Tu mens pourquoi Pourquoi tu mens Tu as besoin de mentir, ma chérie. Je dis la Nora Flora. Je cotise 6 250 euros par mois. Le président de ma tontine est en direct. Le président de ma réunion, il est là dans le direct. Je viens de le voir. Je suis assise chez moi, mon magasin cotise. Ngosa, tu dis qu'avec 5 000 euros, un magasin, ouvre alors pour toi. Au lieu de errer comme le mauvais esprit, ouvre pour toi. Ouvre pour toi. On ouvre ta part de magasin, on voit. Tu as dit qu'avec 5 000 euros, je vais te mettre les papiers après. 100, 100, 5 000 euros de magasin sans crédit. Je ne dois à personne, même à la banque. Je l'ai pris. Et mon, et mon banquier m'en a même voulu. Il m'a dit que j'aurais dû mettre sur la porte personnelle et garder le reste de mon argent. Mais je me jetais dans une affaire. Je ne voulais pas devoir à quelqu'un. Tu as acheté mon magasin avec mon argent, fonds personnel. Tu peux, tu peux parler, tu as quoi Tu dis que tu as le titre foncier. Mets tes titres fonciers au Cameroun, je mets les miens. Et dans quelques temps, dans quelques, dans peut-être deux mois, je vais te mettre le titre de propriété à Paris. J'attends juste de signer. Je vais te mettre le titre de propriété à Paris. Pas en province, à Paris. Titre de propriété dans le 92. Dans quel, dès que je signe, je, je vais te mettre, parce que j'ai a eu l'accord. Dès que je signe là, je vais te mettre le titre foncier. Pour que tu comprennes que nos vies là ne sont pas pareilles. On a tous fait des bêtises, mais toi tu es resté dans ta bêtise. Tu n'as pas émergé. Pour toi émerger, c'est vivre avec un homme. Et un homme qui te tape, pour toi émerger, c'est vivre avec un homme qui te tape. J'ai dit, je suis célibataire. Aujourd'hui, demain après-demain, j'ai un appartement dans le 92. Je paye mon loyer seul. J'ai mon nom sur le bail seul. Et j'adore ma vie jusqu'à demain. J'adore ma vie jusqu'à demain. Je claque mon doigt comme ça. N'importe quel gigolo vient habiter chez moi. Je dis que si je claque ma main, je claque. Parce que je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Si je claque mon doigt, n'importe un, un, quel gigolo que je choisis comme ça va venir vivre chez moi. Oui. Tu as compris? Tu n'as pas de. Tu t'as réussite. C'est que tu vis avec Thierry. T'as réussite. Thierry, tu avais, il gagne combien par mois? Hein? Vous vivez tous dans les HLM. Il gagne quoi par mois? Il peut t'entretenir. Aujourd'hui, tu es obligé de mettre les chemises. Dans... Peuple, tu, même avant, tu ne portais rien. La fille que tu dis qu'elle vend les chaussures là. Micheline. La paire de chaussures que tu as pris chez elle, tu as payé. La paire de chaussures que tu as. Tu dis que. Payez vos dettes. La paire de chaussures que tu dois à Micheline, ça fait trois ans. Tu as pris une paire de chaussures chez elle. Tu as payé, Perpétue. Tu as payé. La paire de chaussures là, tu as payé. Hein? Tu as payé. Tu étais parti prendre une paire de chaussures chez elle. Ça fait trois ans. Est-ce que tu as payé? Regardez-moi une arriviste, une chienne, une dotinga. Tu as raté ta... tout ce que tu dis là. Mon casier, je le sais, en France, ce n'est pas vierge. Moi-même, je, je, moi je l'ai même toujours dit sur Facebook. Il y a quelques années en France, on savait que j'étais une dieu à cuire. Je dis bien une du à cuir. Une du à cuir. J'ai fait, mais je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Mais toi, tu sors avec les hommes qui volent les cartes bleues, qui partent t'acheter les choses avec ça. Toi, tu peux me parler, pépé, tu? Toi, tu peux... On te connaît en France comme on me connaît en France. Tu ne peux... Je dis que là où je m'assieds, pépé, tu, tu ne peux pas t'asseoir. Je pas avec toi pour qu'on s'inscrive dans une réunion. On va te refuser, on va me prendre. Parce que tu n'es pas crédible. Tu vas cotiser avec quoi Une femme qui a faim peut faire la réunion. Une femme qui a faim peut faire la réunion. Dis-moi, une affamée peut faire la réunion. Hein Une femme qui a faim, qui, qui manque même la nourriture, peut faire la réunion. Je te dis, je cotise 6 250 euros par mois. 6250. Le président de ma tontine est là, je viens de l'ouvrir commenter, 1 000 euros par semaine. 2 250 euros tous les deuxièmes dimanches du, de, du mois. Ma fin du mois. Tu vas parler de moi, tu vas dire quoi, Pépé tu? Quand ça vous dépasse, vous dites vendez des piments. J'accepte même. Toi, alors, qui as vendu le piment depuis que tu es arrivé en enfin, France, tu as tellement vendu le piment que ton clitoris même est fini. L'enfant même, tu n'as pas pu faire. Tu vas alors faire comment Mieux de moi. Tu dis que j'ai avorté, ça veut dire que je conçois. Tu as déjà conçu un jour, Perpétue. Tu as déjà eu le retard un jour. Tu as déjà eu un retard. Je t'ai dit, tu vas que me donner rendez-vous. Tu dis que les archives, perpétu tu es nul. Parce que le direct que tu es en train de faire, le problème, c'est qu'on te connaît à Paris, on me connaît à Paris. On sait que tu es dans le mensonge, mais moi, je suis en train de te dire la vérité. Je te dis la vérité. Tu as parlé de Simone. Je n'ai jamais lutté avec la fille de Cluie. Simone, tu me pardonnes si je prononce ton nom. C'est parce que la chose, elle a prononcé ton nom. Je n'ai jamais, je dis bien au grand jamais, perpétué, tu es nul et non avenu. La daigne, tu es devenu aigri. Parce que tu as fait la position pendant 25 ans. L'enfant, tu n'as pas eu. Même le blanc dans le camion, tu n'as pas eu. Il que tu as fini, on a fini ton Tu as commencé à finir ton clitoris dans le 17e. Matelas certifié des mal Tu es encore parti à lieu 5. On a bien écrasé ton clitoris là-bas. Ce qui fait que ton clitoris est devenu mien. Ça ne prend plus le retard. Tu vas t'opérer même 200 ans. L'enfant le, ne va pas entrer parce que le clitoris est fini. Tu vas concevoir avec quoi quand le clitoris ne marche plus Tellement tu as vendu le piment. Maman, tu quittes Paris, tu vas vendre le piment à chaque. Heure. Pascaline Kamga est partie en prison, pourquoi Ce n'est pas toi, père tu m'as lié, qui l'envoie en prison Hein C'est Ce pas toi qui... Cite le nom d'une seule fille à Paris. Avec qui Moi, j'ai vendu le piment. Cite le nom, d'une que cite un seul nom. Mais toi, il y a beaucoup de noms comme ça. Pascaline Kamga n'est pas en prison à cause de toi. Tu t'assises et tu dis que ma mère, les amitiés hypocrites, la fille n'est pas en prison à cause de toi. Hein ce n'est pas toi qui l'envoies en prison pour porcénétisme. Tu peux citer le nom d'une fille à Paris que moi j'ai envoyée en prison pour le porcénétisme. Je faisais mes bêtises seule. Je faisais mes bêtises seule. Oui. Maman, tu dis que les vendeuses de piments, aucune vendeuse de piments ne peut cotiser à l'heure où on parle de la même 1000 euros par mois. Je dis bien aucune. Aucune. Je cotisais ça. Si tu as trop mal, saute tu cales en l'air. Si le montant de 6 000 là te dépasse, tu sautes, tu cales en l'air. Je cotise ça. Et le président de ma réunion, je viens de le voir là en direct. Il est là. Le président de mon association, les amis intimes de Paris, il est là. Je cotise 1 000 euros tous les dimanches, un mois, quatre semaines, plus la fin du mois, 2250. Je cotise. C'est mon agent. Oui. C'est pour dire à que maman, viens travailler chez moi. Viens même nettoyer le sol, même le ménage, il te paye. Tu es une affamée. C'est pour ça que tu vas passer ta vie à encaisser les coups de poing. Tu fais le direct, tu mens. Oh, tu as lutté avec Simone. Oh, tu as publié un... Je n'ai jamais publié un homme. Je dis bien jamais. Mais j'ai publié Simone. Quand je fais, j'accepte. Parce que Pepe, tu, tu me connais. sais que je n'ai pas peur de quelqu'un. Tu sais que je n'ai pas peur d'une femme dans ce paris. C'est la mois Je n'ai pas peur d'une femme. J'ai publié la nudité de Simone. Parce qu'elle m'a attaqué et unité le, est venue se retrouver entre mes mains et je n'ai pas publié en cachette. J'avais mis que sur mon Facebook. Est-ce que je t'ai passé par quatre chemins? Je ne suis pas comme vous que quand vous allez inviter quelqu'un, vous envoyez que dans les WhatsApp. Moi, j'avais mis ça en photo de profil sur mon Facebook. Je ne tourne pas par quatre chemins quand il va attaquer quelqu'un. Je vais en direct, balle réelle. Je ne tourne pas. Et tu me connais. Tu es là, tu mens. Euh, J'ai fait une semaine dans le restaurant de Claire Pitsou. Tu ne peux même pas te moquer d'une fille nouvellement venue. Tu me dis que j'ai beau ça. Hein? Pepe, tu as encore mon passeport d'entrée en France avec mon visa d'Allemagne. Je l'ai encore. Mais toi, tu ne connais pas l'ambassade de France. C'est ici qui paye le prêtre à partir 800 000 parce qu'il baisait déjà avec toi, Yaoundé. Il baisait avec toi, Yaoundé. C'est comme ça que quand il voit le prêtre à partir, il, il utilisait même les filles de Paris pour t'insulter. Les filles qui étaient autour de nous là, elles ont ramené toute leur famille en France. Ils t'insultaient que toi, tu as ramené qui il t'insultait. Que prends même l'exemple sur les filles Bamileké là. Toi, tu as ramené qui en France, Perpétue Tu as ramené qui en France Et si a payé le prêt à partir 800 000. Et c'est comme ça que tu es arrivé ici là. Le macabre que tu as dans les fêtes là, tellement ça te glattait. Tu dormais partout dans le 17e. Il te tapait comme le tam-tam. C'est comme ça qu'il t'a jeté. Tu te souviens de la fille que tu as voulu agresser dans le 17e parce que causait avait avez... ici si, Parce c'était un grand frère du quartier. Tu es venu la, vouloir l'arrêter, que tu sois mon gars. Elle t'a bien tapé. Et elle t'a encore tapé en Nanterre. Pepe, tu sais que tu fais la bouche là aux gens qui ne te connaissent pas. Elle t'a tapé en Nanterre. Là, tu es parti appeler ton mari, le gars que tu as épousé en, à, à, à Bordeaux pour les papiers là. Tu es parti mentir chez lui que c'est un homme qui t'a tapé, alors que c'est une fille qui t'avait rossé. Est-ce que je mens l'autre là En Nantais, ici à la soirée des Bangantais. Tu es tapé jusqu'à te tirer au sol. Tu es parti appeler un homme. Que c'est un homme qui t'a tapé. Quand il arrive sur Paris, il se rend compte que c'est une femme qui t'a tapé. Pépétu, tu peux parler où les femmes parlent. Parlons de nos réalisations. Tu, quand ça te dépasse, tu dis que vendeuse de piments. Oui, j'accepte. Toi, tu fais quoi dans la vie aujourd'hui, alors? Parlons de nos présents. Pépétu, parce que tout le monde, tu as vendu le piment jusqu'à ton clitoris, c'est fini. On te paye chaque jour, pourquoi? On te paye chaque jour, pourquoi, quoi, pépé, tu? C'est tout l'enfant que tu cherches à 50 ans. C'est l'enfant que tu cherches. Parce que tu n'as plus de clitoris. Hein. Tu cherches encore l'enfant. Hein. Parce qu'on a, a tellement cogné ton bas-ventre que le, tu n'as plus de clitoris. Qui a vendu le piment à Paris comme toi, Pépétu? Camion rouge à Lyon hein. Maman, donne la couleur de mon camion. Cite le nom d'une seule fille avec qui moi, Moukete, j'ai vendu le piment. Cite un seul nom. Je n'ai pas un casier vierge. Ça, je te le conseille. J'ai fait des bêtises en France. Mais moi seule. J'ai travaillé avec les Juifs. Et, et s'il fallait recommencer, c'est ma vie. C'est ma vie. Mais je n'ai jamais entraîné, je n'ai jamais envoyé quelqu'un en prison. Je, je, je n'ai jamais envoyé, je n'ai jamais dénoncé quelqu'un. Je dis bien jamais. Quand tu ne connais pas, ne manque pas. Mais toi, tu, tu as envoyé Pascaline Kamga en prison. Pascaline Kamga n'est pas en prison. Pourquoi Parce que tu l'as dénoncé à chaque, comme étant ton procédé. Cite alors le nom d'une seule fille que moi, Vivian, j'ai envoyée en prison. Cite le nom. Ou bien d'une de mes collègues du piment. Parce que toi, tes collègues, à je peux les citer. là-bas au McDonald's, je peux les citer. Mais les filles de cul ne m'ont rien fait. Je ne cite pas le nom. Mais tu sais que ce que je dis est vrai. Mais toi, tu peux citer le nom d'une seule fille avec qui moi, Mouké, j'ai vendu le piment. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même quand je faisais mon faux en France, c'était une place. Je dis bien une place. Quand tu ne connais pas, tu demandes. Une place. Tout ce que j'ai fait en France comme connerie, c'était une place. Je marchais avec les juifs. Une place. Tu parlais de faux Les juifs sont dix fois plus faux que les noirs. Et c'est mes amis juifs qui m'avaient entraîné dans ça. Et j la, après, j la, je suis allé à l'école. Après, je suis allé faire ma formation. Toi, tu as fait quoi après la vente des piments Parce que tu es toujours dans le piment. Tu fais quoi à la maison On a entendu dans un audio. Où tu dis que maintenant tu as la maison, certaines filles là vont souvent venir vendre le piment. Tu fais quoi, Pépé Tu quand tu as la maison, tu vends le piment Tu vends le piment Tu continues dans la vente de... Mais sauf que tu as même la malchampe, tu vends ton piment, même personne n'achète. Tu vends même temps parce que c'est un de piment, même on l'argent, mais ton, ton piment ne passe pas. Tes collègues de lieu, on dit que tu vends le piment, personne n'achète. Tu es assise comme ça dans la voiture. Tu es au téléphone toute la journée. On ne te demande pas que temps il y a. Pépé, tu ton héritage de la vente de piments, c'est quoi? Hein? D'autres même ont trouvé les blancs là-bas. Toi, le blanc, il n'y a pas. L'enfant, il n'y a pas. Le clitoris, c'est fini. Tu ne peux même pas faire d'enfant. Tu vas alors faire comment? Oh boya alors, tu vas faire comment? Je t'ai dit que. Hein? Vois-moi quelque part, tu m'attaques. Je vais enlever le dentier là dans ta bouche. Pépé, tu on se connaît. C'est toi qui donnais les rendez-vous des bastonnades ici aux gens. Maintenant, tu dis que quoi <laughs> Maintenant, tu dis que tu as émergé parce que tu vis avec, avec Thierry. Thierry, c'est un homme. Thierry, c'est un homme. Il est avec toi aujourd'hui parce que tu lui as donné le sida. Il est obligé, c'est pour ça qu'il te tape tous les jours. Et Thierry va te taper jusqu'au jour de ta mort. Hein? Il va te taper... Suite le nom d'un seul gars à Paris où on peut entendre que sida est passé, que j'ai eu que je lui ai donné le sida. Mais toi, ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. On dit tu es avec qui aujourd'hui Tu avais avec Thierry, il a découvert que tu lui as donné le sida. Il est obligé de rester avec toi. Il est obligé de rester avec toi. Obligé de rester avec toi. Oui Parce que tu l'as contaminé. Il vit avec toi aujourd'hui parce qu'il est dépassé. Papa tu vois là mon corps. Maman zéro blessure. Je dis bien zéro blessure. Je n'ai pas de tatouage. On ne me gomme pas. On ne me gomme pas. Pisseuse de sang. Tu dis que quoi On va se faire le direct. Mais pendant que tu fais le direct là, hein? moi, je, mon magasin est en train de travailler. Tu vas, tu vas éteindre ta caméra, tu auras faim. Tu vas éteindre ta caméra, tu auras faim. Moi, il n'aurait pas moins faim. Parce que quand tu vas arrêter ta caméra, Ngosa, tu auras faim. Mais moi, je n'aurai pas faim. Tu me dis que tu vis, tu vis avec elle. Tu tu, tu sorti avec un vrai gars, hein? Tu es sorti avec un vrai gars. Quand on va parler des gars là, tu es sorti avec un vrai gars à Paris. Qui? Tu dis que je présente, je ne présente aucun homme. Je dis bien aucun. Mon Facebook c'est pour moi. Je ne présente zéro homme. Je vis seule. Je suis célibataire et je l'ai toujours dit. Célibataire et je m'assume. Je dis bien célibataire et je m'assume. Parce que dans les 6250 euros qui est par moi, ce n'est pas un homme qui me donne. C'est mon travail et fait perso euh, effort personnel. C'est mon travail. Je n'ai pas besoin d'un homme pour faire ça. Non. Si je dois afficher un homme, il faut qu'on passe de 6 000 euros de cotisation à 8 000. Je ne suis pas comme toi. Que si vous n'avez pas, tu, 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 tu pas d'homme, tu ne dors pas. On t'a dit que mes fesses me grattent. Eh, hey, tu ma léba. On t'a dit que mes fesses me grattent, que je ne peux pas dormir seule. Je dors seul dans mon confort et j'adore ma vie. On ne me tape pas. Je vis seul. Je, je fais ce que je veux quand je veux. Et si je claque mon doigt comme ça, aucun gigolo à Paris ne peut refuser le confort. Je dis bien, aucun gigolo à Paris ne peut refuser le confort. Parce que ce confort-là, je l'ai. Aucun gigolo à Paris ne peut refuser le confort. Aucun. Tu as compris aucun gigolo à Paris ne peut refuser le confort, mais je refuse de faire protéger, profiter mon confort à quelqu'un. Non, chacun doit travailler. Je refuse que quelqu'un profite de mon confort. Chacun doit travailler pour avoir son confort. Tu as compris Tu sors avec un gigolo, un, un moins que rien, qui n'a rien, un rien ton. Pour le maquero braisé, on te, on, le maquereau braisé, on braise aussi tes bras. Maman, tu peux me parler. Perpétue, ma vie est ta vie. Maman, c'est le jour et la nuit. Je bien le jour et la nuit. Perpétue, si tu es une femme, viens payer le loyer à Paris. Je te dis ça depuis. Tu as fui, pourquoi? Viens payer un loyer à Paris. Je dit que Perpétue, ce n'est que pour toi, là. Maman, je te réponds tous les jours. Parce que de la même manière qu'on me connaît à Paris, c'est comme ça qu'on te connaît. Et les, même les gens qui nous connaissent pour juger nos deux vies. Père -père, tu, tu as raté ta vie jusqu'à demain. Tu as raté ta, je dis que tu as raté ta France. Tu me dis que moi j'ai beau ça. Je suis entré en train Europe par l'Allemagne. Je suis entré en train Europe par l'Allemagne. Solange m'a vu arriver. Elle était ma voisine. Oui. Et c'est elle qui m'amène chez ma pizou. Tu vas te moquer d'une fille qui vient d'arriver, qui veut travailler, qui ne peut pas travailler dans un restaurant. Tu n'as jamais travaillé de tes mains en France, Pépé. Tu, contrairement à moi, j'ai travaillé. Tu n'as jamais travaillé. C'est pour ça que tu te retrouves aujourd'hui dans cette ville. là Tu n'as jamais, tu n'as fait que vendre le piment, vendre tes fesses. Tellement tu as vendu tes fesses que tu n'as même pas pu tomber enceinte. C'est une seule fille, j'ai vendu le piment avec toi. Camion rouge à Lieu Saint, Fleur a filmé nous tous, on a vu. À cause d'elle, tu as vendu ta place. Je ne vais pas citer le nom de cette fille-là, elle ne m'a rien fait. Mais tu as vendu ta place à Lieu Saint à une fille bassa. Tu es parti à Chartres. Tu as amené Pascaline Kamga au tribunal. Quel était ton procédé jusqu'à elle est partie en prison? Maman était avec vous là-bas. Je n'ai pas envie de citer le nom de tous ces filets. Elles ne m'ont rien fait. Mais je cite le nom de Kamga. Parce que tu as cité son nom en disant que c'est ta mère. Donc je cite son nom. Parce qu'elle ne va rien me faire. Elle ne peut pas me taper. Donc elle ne va, elle, elle va elle écouter Ça va les nerver, Elle va boire Ça va descendre. Parce qu'elle ne peut rien me faire. Elle va parler avec la bouche. Mais elle ne peut pas se mettre devant moi. Elle connaît. Elle connaît la suite si elle se met devant moi. Connais la suite. Tout le monde de Perpétue, toutes les filles avec qui tu as vendu le piment ont émergé. Leur vie a changé, sauf ta vie. Mais tu, 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 tu es même malchanceuse et Perpétue. Tu as la poisse. Parce que je ne comprends pas comment ta vie stagne. Ta vie stagne. Maman va même te laver. Tu veux que tu es bassin. On va te laver. Va te laver avec les écorces chez vous. Tu enlèves la poisse là. Donc, tu pas de réussite en France, c'est de vivre dans la maison avec un boxeur. T'as réussi en France, c'est vivre avec un boxeur. Parce que tu ne vas pas dire que Thierry, c'est ton gars. Thierry, c'est ton boxeur. Thierry, c'est ton boxeur. Donc, ce pas de réussite, ça. Tu as réussi ton bain. Parce que tu vis avec un boxeur. Un homme qui te tape jusqu'à il prend le fer à repasser, il pose là. Tu as vu ton visage. J'ai mis tes photos là sur mon mur. Sans une seule de mes photos, un homme ne m'a jamais giflé en France. Je dis giflé. Un homme, parce que je ne donne pas l'occasion. Je ne donne pas l'occasion. Je sors avec qui je veux, quand je veux, quand ça ne me convient, puis je prends mes ne me pas. Parce que quand je sors avec un homme, je n'attends pas qu'il m'amène au galère. Tu as dit que j'achète les sacs seconde main. Donne le nom de la dame-là si elle me connaît. Parce que je ne suis jamais à la château. Je ne sais même pas qui tu dis qu'elle va. Tous mes sacs à même magasin avaient facture. Sinon, c'est quand la dame de Micheline sort les sacs. avec facture. Toi, tu lui dois une paire de chaussures. Tu as pris une paire de chaussures chez Micheline, ça fait trois ans grosse pute, tu as payé Tu as pris sa chaussure, ça fait trois ans. Est-ce que tu as payé Va payer la chaussure là. La sanga, tu passe. Va payer sa chaussure. Trois ans, une paire de chaussures. Tu as dit que je passe partout, je prête de l'argent. Je fais une seule réunion à Paris. Le président de mon association en direct. Une seule réunion. Je ne fais aucune réunion à Paris. Parce que je ne fais pas de réunion quand je ne m'écris pas. Je ne fais aucune réunion avec les filles de Paris. Je dis bien aucune. Je fais une seule réunion, les amis intimes. Parce que je suis crédible dans ces réunions. J'ai mon agent en temps et en heure. Je dis bien, je fais une seule réunion. Une seule réunion à Paris. Une, les amis intimes. Et je suis crédible là-bas. Et je te dis en Congo ça. Je n'ai pas besoin de vendre ma chatte pour cotiser 6250 euros par mois. Si tu as mal, va ouvrir pour toi le magasin. Tu connais les adhérents d'amis intimes, non À on va te dire 1000 euros tous les dimanches, je cotise. Plus la fin du mois 2250. Mon magasin qui cotise. C'est que tu dis que tout le monde est pour ouvrir le magasin là. Ouvre si tu tiens. Le tout, c'est de, de tenir. Tout, tout à fait en France, c'est la résistance. Tu as raté ta France et perpétue Maliba. Toutes les filles avec qui tu as traîné ont émergé. Ta pas de réussite, c'est que tu vis avec Thierry le boxeur. <laughs> voilà la part de réussite Jim Benguis. 25 ans en bain. 25 ans en bain. 25 ans en bain. Maman, j'assume ma vie perpétue. Mon casier judiciaire n'est pas vierge. Mais je n'ai envoyé personne en France. J'ai cherché mes problèmes moi-même. Et j'ai assumé mes fautes. C'est ça qu'on appelle une grande fille. Et tout ce que j'ai fait comme connerie en France, j'ai lavé les mains. Je suis allée à l'école après. Je suis allée faire une formation. Tu comprends Je suis allée faire une, pro, une formation. Toi, tu as déjà étudié quoi en France ce que tu dis que ma chère ton casier, je ne sais pas. Moi-même, je l'ai déjà dit. Je n'ai jamais été une fille catholique en France. Et ce que tu dis là, c'est le père de mon enfant qui m'apprend à faire le faux. C'est lui qui m'apprend à faire le faux. Et je ne peux que le remercier. Parce que ça m'a nourri. Ça m'a permis de ne pas me retrouver comme toi. À errer de camion en camion. Ce que le père de mon enfant m'a appris, m'a aidé. Même si ça m'a rattrapé derrière tu, ça m'a rattrapé, j'ai assumé mes conneries. J'ai assumé. Pépé, tu, tu sais pourquoi j'arrête le faux? Je me retrouve devant un juge un jour. Il m'entend parler. Il me dit Je vais te donner une chance. Tu es trop intelligente. Je vais te reconvoquer dans un an. Si tu ne me dis pas ce que tu fais dans la vie, je t'envoie en prison. Quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, tu demandes. C'est comme ça que ce juge-là, c'est lui qui me fait quitter le faux. Il me dit Je te donne une seconde chance. Va faire une formation. Parce que quand je vois ce que tu es capable de faire avec ton cerveau, parce que ce que j'étais capable de faire avec l'ordinateur perpétuel, une île clés comme toi, tu ne peux pas. Et ce juge-là m'a donné une seconde chance. Aujourd'hui, je lui dis merci. Il m'a dit va faire une formation. Je te reconvoque dans un an dans mon bureau. Si tu ne fais rien, ça veut dire que tu es resté dans le faux. Et je vais t'envoyer en prison. C'est comme ça que je lave les mains. Je m'avais fait une formation. Tu as compris c'est comme ça que j'ai là, parce que j'étais une faussée patentée. Ce que j'étais capable de faire avec un ordinateur, perpétue les papiers que j'étais capable de faire quand je m'asseyais derrière un ordinateur. J'étais une informaticienne de première catégorie. Toi, tu me peux Toi, tu me peux, perpétue. C'est ma vie. Je l'ai fait. Je dis bien, j'étais une informaticienne de première catégorie. Même aujourd'hui. Quand je prends l'ordinateur, si je fais n'importe je fais n'importe si je veux continuer à faire, je fais, mais j'ai lavé les mains dans tout ça, je suis allée à l'école. Toi, tu as fait quoi Tu as fait quoi Tu vas venir t'asseoir. Mon casier judiciaire n'est pas vierge. Ça m'a empêché d'être gérante d'une société en France. Toi, alors, tu gères quoi Tu gères les maisons closes, les maisons de vente de piments à Rouen. Hein, j'ai une maison maintenant, hein? Hein, les filles, là, il y a même telles qui doit venir la semaine prochaine vendre le piment. Regardez-moi une vendeuse de piments. Maman, j'assume avoir fait. Tu as mal où Dorine Van. J'assume. J'assume. Avec mon faux-là, j'ai payé l'école de mes enfants dans les écoles privées en France où peut-être tu ne vas jamais inscrire tes enfants. École Saint-Jean de Montmartre à Paris. 300 euros par mois. J'avais trois enfants là-bas. On t'a dit que si vous êtes bête, tout le monde est bête. Le faux-là a éduqué mes enfants. École privée. J'ai dit, bien école privée. Mon fils, école maternelle, est, 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 est dans le 15e. 5 000 euros par mois. Mon fils en maternelle était dans le 15e. 5 000 euros par an. Maternelle à l'école privée. Tu me parles de quoi? J'ai profité de tout ce que j'ai pu faire comme connerie. Quand mon fils est sorti de l'école privée, maternelle, on, on, on le déposait le lundi, on le récupérait le vendredi. Quand il est parti de entré à l'école Saint-Jean de Montmartre, vous pouvez me parler, on est pareil. Ngosa, tu peux, tu sais comment on paye l'école d'un enfant Tu sais comment on paye l'école à un enfant Vous croyez que l'école privée, c'est seulement au Cameroun l École Saint-Jean de Montmartre, 300 euros par mois. J'avais inscrit trois enfants là-bas, c'était 900 euros par mois. Et je payais ça grâce à mes conneries. Tu peux me parler Pépé, tu, tu peux me parler Nos vies ne sont pas pareilles. Là où ton intelligence s'arrête, c'est là où pour moi commence. Je suis trop avancé mentalement à côté de toi. Tu, ton casier vierge te sert à quoi, mamie? Ton, ton casier vierge, ça te sert à quoi? Hein? Tu manges ça? Hein? Tu, manges, tu peux partir avec ton casier vierge à la banque prêter l'argent? Pauvre Logue, pauvre Nga, tu Matelas certifié du 17e. Regardez-moi ça. Tu as volé la chemise de. de comment on l'appelle encore? Pourquoi son nom m'échappe? Tu es parti donner à Guinama en Belgique. Voleuse de Feynman. Tu Tous les man, te connaissaient, Peppé, tu. Quand on sortait avec toi, ils boivent le vent, tu les soutiens. Tu es une voleuse. Une voleuse. Tu peux citer un nom, mais un, tu dis que oh, tu prêtes l'argent. Ton magasin est en détruire. Cite le nom d'une seule réunion. Je te mets à défi. Cite le nom d'une seule tontine que moi j'ai faite à Paris où j'ai une dette. J'ai fait une seule réunion. Je ne suis pas une fille papillée. J'ai fait une seule réunion à Paris, les amis intimes. Et il n'y a pas de caisse là-bas. On ne vend pas d'argent dans cette réunion. Je parle, là il y a les adhérents, le président même est connecté. On ne vend pas, il n'y a pas de caisse de vente d'argent aux amis intimes. Chacun vient cotiser son argent, il bouffe ce qu'il a cotisé. Eh, fais les réunions, tu fais toutes les réunions. Même avant, je ne suis pas comme toi. Cotiser 100 euros à femme battante, tu t'es dépassé. Pepe, si tu es une femme... 100 euros. Tu as fini de rembourser l'argent des femmes battantes. Tu n'as pas fui avec l'argent des femmes battantes, Pépé ça Tu as fui avec l'argent des femmes battantes. On t'avait même dit de donner 100 euros un, un peu, un peu. Tu as donné. Tu as donné l'argent des femmes battantes. La réunion que tu faisais ici dans le 17, 18e à la rue Championnet, tu as fui avec combien quand Fleur est venue te chasser à lieu Parce que c'est elle qui te chasse à lieu Tu n'avais plus les moyens d'aller vendre le piment, même pour avoir 50 euros par jour. Tu n'as pas fui avec l'argent des cotisations. Tu n'as pas fui avec l'argent des cotisations des gens. Tu pouvais cotiser même 100 euros par mois. 100 euros t'as dépassé pour rembourser à, à femme battante. Tu n'as pas fui avec leur argent. Hein? Tu n'as pas fui avec leur argent. Hein? Tu n'as pas volé la chemise de. Comment le nom du gars là-même m'échappe Ici à Paris, tu es parti de là à en belgique Tu es une femme. Tu ne pourrais pas l'acheter une chemise, tu ne peux pas lui offrir. Tu voles la chemise du pauvre gars de cuir pour aller séduire un autre homme. Tu prends l'argent à Chile, tu envoies un policier au Cameroun. Tu parles. Même si j'ai besoin du. Maman, même si j'ai besoin d'un gigolo, je prends un bain. Et si je claque mon doigt comme ça, pépé, tu par rapport à toi, j'ai le confort. Je claque ma main. J'ai n'importe quel gigolo à Paris. Je dis, mais je ne suis même pas une femme à gigolo. Parce qu'un gigolo ne peut même pas me glaguer. La famine va le tuer. Il n'y a pas la nourriture chez moi. Mes enfants et moi, on mange au restaurant. Le gigolo va rester chez moi, il va manger quoi? Et je ne donne pas l'argent aux hommes. Un gigolo ne peut pas me supporter. Parce que je n'ai pas l'argent. Et on ne dort pas chez moi sans payer le loyer. On ne dort pas chez moi sans payer le loyer. Non. Si je vis avec un homme, il doit contribuer au loyer. Parce que le loyer se paye. Donc un gigolo ne peut. Je ne suis même pas une cible pour les gigolos. Donc quand tu veux même parler, dis la vérité. Moi, je n'ai jamais été une cible pour le gigolo. Parce que j'ai l'éducation que pour dormir en France, on paye le loyer. Un gigolo va me supporter que qui va payer la maison pour que qui dort. Moi, je ne peux pas payer la maison, un homme dort. Non Je ne peux pas. Chacun doit. On les charges se partagent. Mais toi, tu es obligé de te faire repasser les coups de poing. Tu te lèves, c'est ici qui est gommé. Tu as les bleus partout. On te tape, on te pile. Regarde-moi une femme battue. Vraiment. De, en commençant même par ici. C'est ici qui te paye. Tu dis que tu as beau. Maman, j'ai encore mon passeport. Il y a les gens. On est venus en délégation. Nous sommes venus en Europe. Je n'étais pas seul. Je ne vais pas citer le nom de, 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 de ma tata. Tu comprends? Nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de gens là qui le savent. Et Solange Makoukam, que tu connais, m'a vu partir de l'Allemagne, arriver à Paris. Elle m'a vu. Elle était notre voisine, là où nous, on, on habitait, dans le 20e, à la rue Jourdain. Elle, elle m'a vu arriver à la rue Jourdain, dans le 20e. Où c'était Métro Jourdain, dans le 20e. Et c'est elle qui arrête ma main. Elle a vu. Je, lui, je la dérangeais tous les jours que je vais travailler. Je suis arrivé en France, je ne l'ai même pas fait un mois. J'ai commencé le travail. Je dis même pas un mois. Pour te dire que je suis différente de toi. Mais tu passais ton temps à, à sauter, à boire le whisky. On t'embarquait avec 200 francs. En autant du franc. 200 là, c'était 30 euros. On te donnait 200. On partait finir avec toi. Quand n'importe quel femme revenait du, du front, on te donnait seulement ton numéro que appelle l'angala. Elle prend 200 francs. Tu peux parler. Mais puis, tu, tu, ce que je dis est vrai. Parce que, comme de, tous les gens sur Facebook te connaissent, comme on me connaît, contrairement à toi, on ne peut pas citer mon nom dans les filles qu'on embarquait. Aucun homme, je parle sur Facebook, aucun homme ne m'a jamais levé dans un restaurant pour une bouteille de champagne ou un plat de nourriture. Je n'ai jamais donné l'occasion là. On ne m'a jamais levé pour une bouteille de. Tu, 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 tu dis que j'étais. Maman, j'ai arrêté le rien. Toi, tu peux arrêter. Tu vas ressembler à quoi? tu parce que toi même en demi tu étais noir hein. tu étais noir. Tu peux laisser l'ondulation. Tu peux laisser. Ta peau va ressembler à quoi? Parce que j'ai mis tes photos sur mon mur hein. Quand tu as fait semblant de vouloir, tu as l'argent pour faire les soins de peau. Parce que quand tu arrêtes l'ondulation, il faut faire trop de soins. Tu as l'argent pour faire les soins. Tu vas faire les soins avec quoi si tu laisses l'ondulation? Hein? Tout ce que tu as commencé dans la vie t'a dépassé. Tu ne vends plus l'ondulation. Tu ne fais plus le don. Regardez-moi une mangeuse des dons des orphelins. Une mangeuse, une voleuse des dons. Le dernier argent qu'on t'a donné pour les dons ici, tu as fait quoi Tu es parti rester dans votre vieille maison là-bas à Yaoundé. Vieille maison avec le contour en terre battue là. Tu as mangé tout l'argent des orphelins, tu es rentré. Tu peux pas, pépé, tu... Laissons les injures. On va laisser les injures. Tu peux clasher une fille à Paris, perpétue toi, tu peux clasher une fille parce que tu as raté ta vie. De toutes les filles qui ont vendu le piment avec toi, tu es la dernière, tu as raté ta vie. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Le tam tam de Thierry? Tu fais quoi dans la vie, Pépé, -tu? Hein? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien du tout. Rien. Tu fais quoi dans la vie? Tu ne fais absolument rien? Et tu viens insulter une fille qui peut t'embaucher. Pepe, tu, tu as raté ta vie. Et c'est pour ça que tu es devenu aigri. Tu fais partie de ces filles-là qui ne veulent pas voir la réussite d'une autre fille que tu as connue auparavant à Paris. Mais moi, je dis que pour toi, je te réponds. Tu ne peux pas me descendre. Tu ne peux pas. Tu n'as rien à dire sur moi. Tu vas dire que oui, oh, tu faisais le faux. Ton caseux, mon casier du lycée n'est pas vierge. Moi-même, je l'ai déjà dit sur Facebook. Je n'étais pas une fille catholique il y a 15 ans en arrière. Je n'étais pas une fille catholique. Je dis bien, il y a 15 ans en arrière, je n'étais pas une sainte. Non, je n'étais pas une sainte. Je dis bien, 15, 15 ans en arrière, oui, je n'étais pas une, sainte, une, une fille sainte. J'ai mes problèmes en France en 2005. 2005, là, je n'étais pas une sainte. Je te donne même la date. Janvier, euh, 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 juillet 2005. C'est la première fois où je suis inquiétée en France. Mais j'avais déjà trop fait de conneries. À un moment donné, quand tu fais des conneries, il faut bien que ça te raclate pour te laver le cerveau. Moi, je reconnais. Je n'étais pas une sainte. Mais j'ai profité de ça. Perpétue, tu, j'ai joui de ça. Oui. J'ai joui de ça. J'ai élevé, j'ai fait des choses avec ça que tu, tu connais le nombre de personnes que moi j'ai amenées en France et dans ma famille. Sput, tu as amené qui en France? On va aller maintenant pas à pas. Sput, tu connais le nombre de personnes que moi j'ai amené en France. Tu veux que je sais? Makambu même a amené ma petite sœur. C'est Makambu. Je lui ai donné 10 000 francs. Autant du franc. Elle prenait 10 000 francs. C'est elle qui amène ma dernière petite soeur à moi. Mon grand frère. Ma ta, mais sa, tu, toi, tu as amené qui en France? J'ai amené ma famille à Mbing, comme ça. Comme ça. Dans ma famille, je suis une reine. que dans ma famille, je suis un diamant. Le diamant, quand on dit que diamant, là, je suis comme ça dans ma famille. Ce que tu dis que j'ai amené, j'ai aidé ma famille. J'ai amené, amené, amené tout le monde. Oui. Je n'ai plus personne au Cameroun. Hein. Toute ma famille, sont là. Je les ai amenés. Toi, tu as amené qui Ta mère, ta mère t'a aidé. Elle s'est payer le laisser passer 800 000 francs. Tu es venu en France sans mettre les pieds à l'ambassade de France. Pépé, tu, tu connais l'ambassade de France Tu connais l'ambassade de France Mais moi, je suis entré à l'ambassade de l'Allemagne parce que je ne suis même pas entré en France par... par je ne suis pas entré par Roissy. Je suis entré par Francfort. Tu vivais où ça. Je n'ai jamais squatté. Mon cœur est comme ça. Tu te moques d'une fille qui vient d'arriver en France et qui part travailler au restaurant. J'avais choisi d'aller travailler. J'avais choisi d'aller travailler. Oui? J'avais choisi d'aller travailler. Pépé, tu, tu as raté ta vie. Quand on dit, c'est pour ça que tu es devenu aigri. Tu as raté ta vie. Tu es parti prendre la petite fille, le petit bébé de Kui là. Elle, 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 elle vit les coups tous les jours. On te tape devant l'enfant là tous les jours. Toi, tu peux parler, pépère, tu, pépère, tu, tu peux me parler? J'ai ramené toute ma famille en bain. Dans ma famille, je dis bien sûr le diamant. Quand il te dit le diamant, et sur le diamant. Tu comprends? Même si je décide de rentrer au Cameroun aujourd'hui, toute ma famille est là. Il, chacun peut se battre et avoir pour lui. Pépère, tu, toi, tu dis que 25 ans, tu as même pas un neuf. Tu as tellement bordé, tu as vendu le piment, les femmes ont joué ponti dans tes fesses. Tu, tu, J'ai même oublié. Tu oublies quand t'a mené ici-là pour faire les patouzes et perpétue C'est tout ça qui a fini ton clitoris. Te voilà aujourd'hui qui finit ta France. Ben, enfin, tu finis ta vie comme ça avec un boxeur dans la maison. Tu vas venir dire que tu as un homme. Jusqu'à ce que tu me dis, tu montres un homme. Maman, je ne montre aucun homme. Je suis célibataire, je le dis tout le jour, j'écris même sur mon Facebook. Je suis célibataire. Célibataire jusqu'à demain. Et j'adore ma vie. J'adore ma vie, la vie que j'ai là, j'adore ça. Oui, mais toi, Pepe Tungo, ça, tu vas m'insulter. Pascaline Kamga, pas en prison, pourquoi Dis-nous, tu as dit que c'est ta mère. En, en chaque, là pas en prison, pourquoi Ce n'est pas, pas toi qui l'as dénoncé que c'est ton marque c'est pas toi qui l'as dénoncé. Hein C'est pas toi qui l'as dénoncé. pépé -tu, tout ce que tu peux dire sur moi, ça, ça ne peut que couler comme ça parce que c'est faux. Aujourd'hui en France, parlons de nous aujourd'hui. Pépé -tu, je peux t'embaucher. Rien que pour ça, j'ai réussi ma vie. J'ai réussi mon bain. Pépétu, à côté de toi, j'ai réussi mon bain. Je suis là-bas. Toi, tu es encore au sol. J'ai réussi mon bain. J'entre à la banque, je parle avec mon banquier. Toi, tu vas parler avec qui Tu as un compte perpétue? J'ai réussi ma France. Même si je pars aujourd'hui, mes, en mes enfants vont profiter. Mais tu n'as rien. Ashley a voulu laver ton image. Il te tapait, mais il ne t'avait jamais repassé. Charlie est le champion du repassage. Mais pas sur les chemises, c'est sur ton corps. Tu t'amuses, et te repasses tu vas venir pas. Tout ce que tu peux dire, tout ce que tu as dit dans ton direct qui est vrai, c'est que je n'ai pas un casier judiciaire vierge. Je n'ai jamais lutté avec Simone. Jamais. Elle est là, elle est vivante. Je prononce son nom parce que tu as prononcé son nom. Je n'ai jamais lutté avec elle. Tu as dit que je suis sortie avec Valérie Délé. Oui, c'est vrai. Quand je quitte le père de mon enfant, quand mon fils a un an, quand mon fils a 3 les trois ans, je flirte avec... Trois mois. On est sorti trois mois. J'ai compris que ce pas ma tasse d'été. Je l'ai laissé. Oui, c'est moi qui quitte, c'est moi qui le laisse, je pars. C'est tout ce que tu as dit qui est vrai. Tout le reste est là. Mais toi, la couleur de ton camion à lieu sain, c'était rouge. Ton camion, cite alors la couleur de mon camion. Cite un seul nom avec qui j'ai vendu le piment. Une, une, une Waka, Waka qui n'a rien profité. Tu me dis que les archives, Pepe, tu peux mettre une fille aux archives. Comme tu sais que tu ne me peux pas dans les problèmes. Tu dis que tu ne peux pas me donner rendez-vous, c'était avant. Que tu as un homme dans la maison. Quel homme Thierry, c'est un homme. Hein? Un boxeur. Hein? Un boxeur. C'est un homme. De toutes les façons. ça c'est tous les, tous les jours pour toi, c'est indirect. Tous les jours indirect. Va, remettre, va récupérer la chemise de Guinama. Tu viens remettre au Kouga là. Le Kouga avec qui tu sortais ici à Paris qui est comme le fût là. Il était chez ma mise, à... il est court cool comme ça. Il est court cool comme ça, gros comme le fût. Va récupérer sa chemise et tu viens lui donner. Voleuse de chemises. Tous les jours, toi, je vais te donner un direct. J'attends que tu me donnes dans ton prochain direct. Je veux que tu me donnes la ville où je vendais le piment. Que tu viennes me filmer comme tu as dit. Si tu es sûr de toi, viens me filmer. Et si tu es sûr de toi, donne la couleur de mon camion. Cite mes collègues du Waka. Parce que toi... Je n'ai pas envie, je cite le nom de Pascaline Kamga parce que tu as cité son nom hier dans le direct. C'est pour ça que je cite son nom. Pascaline Kamga est partie en prison. Pourquoi? À chaque jeu. Ce n'est pas toi, Ngoza, qui l'a dénoncé que c'était ton marque. Est-ce que je mens? Tout Paris sait que c'est vrai. Tout Paris sait que c'est vrai. Tu as envoyé Pascaline Kamga en prison en la dénonçant comme étant ton marque. Tu as dit que tu travailles, c'est elle qui prend ton argent. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens Toi tu me dis que j'ai avorté, mieux de moi. Si j'avorte, ça veut dire que je peux concevoir. Ça veut dire que mes mon, 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 mon trompes fonctionnent. J'ai encore un clitoris si j'ai avorté. Mais toi tu vas avorter quand Perpétue. Toi tu vas avorter quand Même le cli dit que le clitoris même tu n'as plus. Les gars du 17e les femmes ont joué au foot dans tes fesses. Ils jouaient au football dans tes fesses. Ils jouaient le foot dans tes fesses. Ils sont nombreux comme ça. 200 francs. Chaque féman, quand un féman revenait du front, on donnait ton numéro. Et ce que je dis est vrai. Beaucoup de gens du 17e sont amis avec moi sur Facebook. Quand les gars là revenaient du front, ils cherchaient une fille avec qui perdre le temps. C'est perpétu. On donnait ton numéro. On donnait que ton numéro. Oui. C'est ton numéro qu'on donnait. Parce que tu n'es rien. On t'embarquait avec 200 francs, 30 euros, 200 francs, 30 euros. Ton camion est rouge à Lieux Saint. C'est ta, ta copine qui t'a chassé à Lieux Saint. Tu étais à Lieux Saint, tu travaillais d'abord. On dit que tu passais toute la journée, tu mettais la main sur la joue comme ça, là, là. Personne ne te demandait que tant tant. Toute la journée, tu mets la main sur la joue. Même pas un client. C'est pour ça que tu es devenu aigri. Parce que tu as raté ta vie. Tu insultes les, les filles que vendeuses de piments. Toutes ont émergé. Sauf toi. Ton seul héritage de la vente de piments, c'est Thierry. C'est que tu es en couple avec Thierry. Ton seul héritage. Le mari de Tatiana qui a levé le sang dans tes fesses. 25 ans de prostitution. Seul héritage. Je suis en couple avec Thierry dans mon âge, les Marouans. Eh hey, maman? On peut faire ça? Hein? hein? Je peux, je, je peux, je peux t'embaucher. Je dis bien, je peux t'embaucher. Quand il donne le montant, le je cotise 6 250 euros par mois. La personne qui a trop mal pas aussi cotisé. Et le président de ma tontine, il est là en direct. Tu as dit que je fais toutes les réunions à Paris. Je ne fais aucune réunion à Paris en dehors des amis intimes depuis les années. Je dis bien, je n'ai fais aucune réunion. Et aux amis intimes, il n'y a pas de caisse de tontine. On ne vend pas l'argent là-bas. Chacun vient avec son argent cotisé. Aucun. Tu vas te lever, tu vas dire que tu es belle, tu es belle. Pépé, tu, le, 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 le seul moment où tu verses le sang, c'est quand tu pisses. Moi, j'ai accouché. Moi, j'ai accouché. J'ai accouché. Tu insultes les filles. Pepe, tu, toi, tu peux insulter une fille à Paris. Habille ton sort je sors avec mes amis de toutes les personnes avec qui tu m'as croisé au chalet je ne sors avec aucun j'aime la compagnie des gens je sors avec mes amis je dis bien de toutes les personnes avec qui tu as eu à me voir au chalet je ne sors avec personne je ne sors avec aucun gars à Paris je dis bien aucun je parle sur facebook je ne sors avec aucun homme ici là en France je dis bien aucun ma vie que tu cherches là tu ne la connaîtras pas mais je te dépasse de très loin. Je te dépasse de très loin, pépé. Tu, tu vas venir t'asseoir, tu vas mentir, tu vas mentir. Mais moi, je vais te dire la vérité. Parce que tu n'es rien. Tu es devenu aigri parce que tu as raté ta vie. Parce que 25 ans de prostitution est sorti dedans sans rien. Ça fait mal. Et moi, je te comprends. Oh, tu te comprends Tu parles du père. Le père de mon enfant m'a assumé jusqu'à ce que j'ai fait l'enfant. Qui t'a assumé aussi, même pour que tu aies le retard? On t'assume partout et tu ne fais pas. Même le retard, tu n'as pas. Hein? J'ai vécu avec Pablo dans la même maison trois ans. Trois ans. C'est moi qui suis partie. Je quitte, le chelui, je, je quitte chez lui, je vais à l'hôtel. Je quitte chez lui, je vais à l'hôtel. Oui. Depuis qu'on t'assume alors, qui t'a amené? Parce que le gars de Bordeaux, là, il t'a épousé pour les papiers. Tu n'as jamais vécu à Bordeaux perpétu tu tout le temps que tu vendais le piment à Paris, tu n'avais pas de papiers Il a fallu que tu aies épousé quelqu'un à Bordeaux pour avoir des papiers Moi, c'est mon fils qui me donne les papiers, comme tu ne savais pas. Moi, c'est mon fils qui me donne les papiers. J'ai couché mon enfant, j'ai eu mes papiers. Oui J'attends, tu tu as dit que tu vas venir me filmer. Maman, pardon. Viens me filmer. Parce que toi, ton camion est rouge. Tout le monde le sait. Flo a filmé ça. Nous, tout le monde a vu. Donne aussi la couleur de mon camion. Ou bien cite une seule de mes collègues. Parce que ta collègue, c'était Pascaline Kamga. Elles sont nombreuses. Je ne sais pas si. Je cite son nom parce que tu as cité son nom hier. C'est toi qui l'envoie en, en, en prison. C'est toi qui l'envoie en prison. Tu la traites de proxénète. C'est comme ça que la fille de Christ se retrouve en prison. Hein? À saint, tu ne travaillais pas. Tu étais assise là-bas comme ça. On dit que toute la journée, 15 euros la pipe. Maman, tu m'as déjà entendu dans ça. Hein? 15 euros la pipe, 20 euros l'amour. Mais même comme ça, tu avais toujours faim. Tu as travaillé, tu as fait quoi avec C'est pour ça que tu es devenu aigri Moins de choses, tu insultes les filles qui vendeuses de piment. Pépé, tu sais, toi qui vends le piment, il y a les preuves. Ton camion à lieu saint est rouge. La fille à qui tu as vendu ton camion à lieu saint, elle est là. Je ne vais pas citer son nom parce qu'elle ne m'a rien fait. Tu comprends Je ne vais pas citer son nom parce qu'elle ne m'a rien fait. Tu as vendu ta place. Parce que comme, comme tu savais que Flo était sur ton dos, tu ne pouvais plus aller travailler à 5. Qu'est-ce qui te chasse à 5? Moi, je pouvais venir à 5 te filmer. Parce que je connais... Je, on l'a dit à côté du Mardo. J'allais venir là-bas. Mais toi, tu vas aller me filmer où Pepe, je te mets au défi. Tu me filmes dans le camion, je quitte Facebook. Tu me filmes dans le camion. Tu me filmes dans le camion. Moi je te dis je quitte Facebook. Si tu me filmes en France dans un camion, n'oublie pas que tu as dit que tu vas me filmer. Et il faut que tu me filmes. Si tu ne me filmes pas, tu ne me filmes pas. Je vais t'insulter tous les jours. Et là où je vais te voir, je vais te créer les problèmes. Tu vas sauf que me filmer dans le camion, parce que ton camion a lieu tout le monde le sait c'était rouge. Tu as vendu le piment, c'est toi qui envoie Pascaline Kamga en prison à Chartres. Tu as dénoncé la fille de Kuyi comme étant euh, comme étant ton porte Elle est partie en prison. Toi, pourtant la fille de Kuyi n'avait jamais été ton porte Tu as dit que tu vends tu vends le piment, c'est elle qui prend l'argent. Est-ce que je est-ce que je mens? Si le, donne la couleur de mon piment, de mon camion de piment. Donne la couleur. Oh, je suis belle, je suis belle. Tu es avec les joues comme ça, comme un enfant qui a le quoi corps Tu sais ce qu'on appelle belle-femme? Hein? Tu sais ce qu'on appelle belle-femme, Pépé, tu? Tu as déjà eu un retard dans ta vie un jour? Tu as couché où on a vu? Tu as commencé à baiser à Madagascar, à 12 ans. Pépé, tu as eu pitié de toi. Il y avait un quartier à Madagascar qu'on appelait Le Clou, avec ta copine Asuka. Elle est grosse aujourd'hui à Yaoundé, là-bas, comme ça, elle marche comme une bororo. Tu te promenais partout, tu mettais le cabas sans caleçon. C'était le vite fait, au crew Tu étais la voisine de ma famille à Madagascar, au crew là-bas. Quand nous on allait à l'école, tu étais la femme des braqueurs. Tu étais la femme des braqueurs à Yaoundé. C'est pour ça que tu n'as pas eu le temps d'aller à l'école, que tu ne savais pas que B.A. c'est bas. Tu es parti à l'école quand perpétue. tu. as fait le c 1 tu es parti à l'école. Tu n'as jamais, tu, tu jamais fait l'école. À Mokola, Madagascar, là-bas, le clou, tu étais la femme des braqueurs. Tu me parlais de Boza. Mieux de moi, j'ai pris Lufthansa pour entrer en Europe. Toi, tu es venu en France avec le, avec le prêt à partir. 800 000, c'est ici qui paye. C'est ici qui paye pour te sortir du Cameroun. Parce qu'il disait que tu vas devenir n'importe quoi là-bas. Tellement tu, tellement tu te promenais avec tes fesses entre tes mains à Madagascar. Avec ta copine Asuka, je mens Asuka est là. Est-ce que je mens Une baise. tu t'assieds, as même si tu tu dis que tu as 42 ans. Pepe, tu es dans le 17 e tu avec quel âge Parce qu'à long, dans la vérité, ça ne sert à rien de mentir. Mon casier judiciaire, je, je te le conseille, n'est pas vierge, mais je te dépasse. Parce que toi qui es un casier judiciaire vierge, tu parles au Cameroun, je parle au Cameroun. Mais ce que je fais en France avec mon casier judiciaire qui n'est pas vierge, tu ne peux pas faire. C'est ça la différence moi-même, je l'ai dit sur Facebook. Tu, on n'a pas eu besoin que tu viennes parler pour qu'on fasse. Hein? On n'a pas eu besoin que tu parles. Mon casus du ciel n'est pas vierge, oui. J'ai fait l'enfant avec Pablo, oui, c'est vrai. Je suis sortie avec Valérie de pendant trois mois, oui, c'est vrai. Mais ton héritage, alors aujourd'hui, j'ai clavé chez ma Pitsu une semaine. C'est Pablo qui m'enlève là-bas. Toi, ton héritage en alors, c'est quoi Depuis Madagascar là-bas, ton, 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 ton héritage, c'est quoi j'ai fait le faux jusqu'à demain. Je faisais ça propre. Et j'ai le fruit de ça. J'ai le fruit de ça. Oui. Mais toi, ta vente des piments, t'as donné quoi Ta vente des piments, t'as donné quoi Tout le temps que tu as vendu le piment, là, tu as fait quoi avec Je te pose juste une question. Amicalement, tu as fait quoi avec C'est pour ça que tu es devenu aigri. Et là, comment tu as en train de finir ta vie ta victoire, c'est que tu es en couple avec ton petit frère Thierry. Pepe, tu, tu es né en 72. Parce que dans le 17e, tu étais notre grande sœur. Tu étais notre grande soeur dans le 17e. Tu dis que j'ai travaillé. Tu te moques d'une fille qui arrive en France nouvellement, qui accepte d'aller travailler dans la cuisine, dans un restaurant. Oui, je l'ai fait. Mais toi, tu faisais quoi on, 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 on fracassait tes fesses dans tous les hôtels, les petits petits hôtels là, dans le 19e. Moi, j'ai travaillé là-bas une semaine. Et c'est le papa de mon fils qui m'enlève là-bas. S'il ne m'enlevait pas là-bas, j'allais travailler là-bas, même s'il fallait même pendant un an. Parce que j'ai toujours travaillé. Mais toi, tu as déjà travaillé quoi en France de tes mains? Pépé, tu parce que même le piment t'a dépassé. Même le piment, tu ne connais pas vendre. Même le piment, tu ne connais pas vendre Pépé. Le piment, le piment t'a dépassé à vendre. Avant même qu'on le vienne te chasser à Lieu Saint, le piment t'a dépassé à vendre. Le piment. Pour, même pour aller au piment, même pour vendre le piment, il faut aller à l'école de ça. Il faut faire l'école pour vendre le piment. Parce que même le piment t'a dépassé à vendre. Hein. Le piment t'a dépassé à vendre. Je t'ai dit que Pépé, tu n'es jamais un dans la vie. Achète Mamadou et Binetta. Tu apprends à libé, à bas. Ou bien tu vas à la mairie de ton quartier. Tu comprends Ou alors va dans la mairie de ton quartier. Moi, j'ai travaillé une semaine dans le restaurant d'éclair, Mapitsu. Et là-bas, même, je n'étais même pas connue. Quand je te connais, je ne suis même plus là-bas. Quand tu veux parler, dis-la. La personne qui m'amène là-bas est sur Facebook. Solange, elle est là. Elle est là. Elle est sur Facebook. C'est elle qui m'amène là-bas que tu as trop envie de travailler. Allons, je t'amène. Et je suis fière de moi. Mais pendant que j'ai travaillé, une semaine que j'ai travaillé là-bas, toi, on jouait le, 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 le match dans tes fesses. Dans les petits petits hôtels là. Regardez-moi une fille comme ça. Ta référence dans le 17e, c'était quoi? Dès qu'un fait a rentré du front, on donnait ton numéro. Quand un gars rentrait du front, perpétue tu c'est ton numéro qu'on donnait. 200 francs, 30 euros. 200. 200. On donnait ton numéro. Oui. Pour 200 francs. Toi tu, tu perpétue vrai, vrai, tu peux parler en France. Tu peux parler en face là où, dis-moi un peu, toute la génération des filles qui sont passées par le 17e, toi, ta vie est devenue quoi Voilà ta part de réussite. Tu es en couple avec Thierry. Donc vivre avec un homme, c'est une réussite. Thierry t'a assumé. C'est une réussite pour toi. Vous vivez de quoi Tu vis de quoi, Pépétu Tu vis de quoi Tu vis de quoi les filles vont parler, toi aussi tu vas venir parler. Pépé, tu, tu as raté ta vie en, en Europe. Tu as raté ta vie. Tu vends le piment, ta mère vend le piment à, 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 à Bordeaux. Une famille de vendeuses de piment. On t'a dit que ma mère, euh, euh, ma mère vend le piment. Hein? On t'a dit que moi, ma mère vend le piment. Tout Facebook ici, si on a montré ta mère ici, elle a filmé ta mère ici, elle dans des positions pas possibles. Telle mère, telle fille. Voilà Flo qui t'a chassé au lieu son, À cause d'elle. Rien que pour ça. Je lui tiens un chapeau. Elle t'a chassé. Aujourd'hui, tu es une Tinda. Une Tinda à vie. Tu t'assieds as là. Elle est entre deux avions. Elle montait de ça, Elle cherchait ton argent. Tu as quoi? Hé, hein, Marco. Hé, hein, Marco. Regarde-moi une fille. Tu crois qu'elle, qu elle est père que ton Tinda? Voilà là où elle t'a dépassé. Elle, elle a fini avec toi sur Facebook. Aujourd'hui, tu es son fan numéro un. Tu es le fan numéro un de Flore, Une tinda à vie. Une tinda à vie. Et je suis contente comment tu utilises comme ça. Tu vas rester son tinda à vie. Regarde-moi une sale chose. Tu parles, tu parles. Toi-même, tu as dit une vérité dans ton Facebook. Je n'ai jamais marché avec toi. Et c'est vrai. On se, on se côtoyait comme Je n'ai jamais marché avec toi, perpétue Même pas pour 24 heures. Toi et moi, on n'a jamais rien partagé. Je te connais parce que dans le 17e, je, je voyais comment on t'embarquait. Je n'ai jamais marché avec toi au grand. Je ne marche pas avec des prostituées comme toi. Parce que tu es même la dernière des prostituées. Hein Tu es la dernière des prostituées. Je n'ai jamais marché avec toi. C'est la seule chose que tu as dit qui est vraie. Mais le papa de mon fils avait le restaurant. Tu étais assise là. Je te voyais. On venait te porter, on partait avec toi. Après, tu revenais t'asseoir comme si de rien n'était. Pour 200 francs. Oui. Vraiment de Dieu. En tout cas, moi, elle finit avec toi. Ça va continuer. Je t'a dit que tous les jours, c'est indirect. Tu as dit que tu me mets aux archives, non? Je vais t'amener à ne pas me mettre aux archives. Et la femme qui est venue te dire que je lui dois, elle va mettre les preuves si moi, je lui dois sur Facebook. Parce que vous êtes comme ça, vous achetez les problèmes sans connaître. Parce que mon ami qui lui doit, moi, si elle veut, elle paye. Si elle veut, elle ne paye pas. Mais moi personnellement, si je lui devais, je ne payerais plus. Parce que quand un problème d'argent arrive sur Facebook, il n'y a plus de remboursement. La chance qu'elle a, c'est que moi je ne lui dois pas. La chance qu'elle a, c'est que moi je ne lui dois pas. Tu ouvres tes narines. Peux-tu quelqu'un peut être en détour. Va payer la chaussure de Micheline. Trois, trois ans. Tu as pris sa chaussure, tu n'as jamais payé. Tu n'as pas honteux. Tu portes la chaussure là, tu sors avec Thierry. Va payer la chaussure de la fille de Cui. Tu as payé sa chaussure Ça fait trois ans. Est-ce que tu as payé Sale petite prostituée de rien du tout. Maman, j'ai raté ma vie. C'est bon là. Lolo, merci pour le partage. J'ai fini avec la sale chose là.